À l'ES Taon, une grande première, Metz pensionnaire de DH et Taon qui fait jouer la B aujourd'hui, la B qui est une DHR, mon cher Gabi. Côté, vous avez une B de Taon qui a fait un parcours au championnat, je dirais, solide, milieu de tableau DHR, et l'APM a frisé dangereusement avec la relégation, même si une fin de parcours exceptionnelle lui a permis de se sauver. Donc je crois que les débats seront très équilibrés. On va assister à une belle finale, à mon avis. Ah, une belle finale. On rappelle la petite statistique. Metz est invaincu depuis le 1er mai. Ça, c'est une stat intéressante en tout cas. Metz qui n'a plus perdu depuis le 1er mai. On s'attendait quand même à voir quelques joueurs de la CFA 2 du côté de Taon descendre dans cette équipe B pour venir renforcer. Oui, mais mettez-vous à la place de l'entraîneur de l'équipe B. Ils ont fait un super parcours en championnat, ils ont assuré leur maintien qui était leur objectif principal. En Coupe de Lorraine, avec cette même équipe composée de réservistes, ils sont arrivés en finale. Le jour de la finale, vous leur dites « Bon, ben messieurs, bonjour, on fait jouer la A ». Ça ne serait pas très apprécié, à mon avis, Mercato, il y aurait de la fuite. Hein. En tout cas, on va suivre ce spectacle de plus près. Les 22 acteurs sont rentrés juste derrière nous sur la pelouse. Eh bien, c'est le temps de vous proposer les compositions d'équipe, les deux 11 de départ qui vont jouer cette finale 2014 de la Coupe Lorraine. Ça va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. On va commenter tout cela si vous le voulez bien, mon cher Gabi. Je sais que vous le voulez. De toute façon, c'est une question, fausse question. Vous voyez les 22 acteurs et ces compositions qui vont apparaître. Allez, d'ici quelques instants, pendant que le protocole est en train de se mettre en place, on commence avec l'APM Metz et cette formation, ce 4-1-4-1. Oui, voilà, tout à fait. 4-1-4-1 que je vous laisse commenter, mon cher Gabi. Oui, alors derrière Bécus, vous verrez, très agile. Des réflexes vraiment impeccables. Alors le grand bonhomme de la défense pour moi c'est Massin, on le reconnaîtra parce qu'il a ses longs cheveux bouclés. Bon, bien assisté par Colin dans l'axe, sur les côtés Maugère qui est le frère de l'avant-centre et Kelfaoui de l'autre côté, ça prend le couloir. Dans le milieu il y a de l'expérience, Charpentier qui était à Amnéville, qui a joué en CFA, CFA 2, qui a joué ensuite en DH à Amnéville B. Là, il est depuis 4-5 ans à l'APM, c'est le capitaine. C'est le jeu, c'est le bonhomme sur lequel pose le jeu, le milieu de terrain de l'APM. Sagnier à côté, Di Rosa. Alors Di Rosa, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ça revient du centre de préformation de Reims. C'est talentueux, c'est pas mal du tout. Sagnier, grosse activité. Et devant, deux ailiers, Kim et Sagnier. Maugère, bon, qui prend la place de Zwistek, qui a été suspendu, expulsé dimanche dernier. Et Maugère, grosse efficacité devant le but. Hein. Il y a des histoires de fratrie, on l'a vu dans cette composition. C'est bien un 4-3-3 que nous a proposé Stéphane Ruggieri dans sa composition d'équipe. On passe tout de suite à Taon. Taon, l'autre surprise. Et là, c'est bien un 4-1-4-1 pour le coup qui a été proposé avec un garçon que vous connaissez bien, mon cher Gabi, parce qu'il a déjà disputé la finale l'an dernier et il l'a remporté. C'est notre ami Beson, le numéro 6. Oui, Beson qui était à Lunéville. Bon, je connais bien aussi Fauchard, Fresneau qui était dans le temps à Jarville, qui est passé par Taon A, et là maintenant il se retrouve à Taon B. Janté, ça c'est du connu. Parizeau, c'est un gars de Neuf-Maison. Bon, le reste je connais moins. Biki, Léap, Kabanda, Lusikama, Ventrella. Mais bon, ça, on va vers 4-3-3. Et on va s'amuser quand même sur les côtés, parce que des deux côtés, on a mis des dribbleurs, ce qu'on appelait des ailiers dans le temps. Maintenant, on appelle ça des joueurs de couloir, des joueurs excentrés. Et ça peut donner de la dynamite. Voilà, en tout cas, la composition de Julien Kiffer, Kabanda, pour répondre à votre question. C'est un joueur qui a été formé à l'AS Nancy-Lorraine et qui se retrouve aujourd'hui à défendre les couleurs de Taon, les couleurs des Vosges, pour peut-être la première victoire de Taon dans cette Coupe de Lorraine. On l'a dit, les deux équipes n'ont jamais gagné. Taon avait joué une finale en 96 et on rappelle que la dernière victoire vosgienne, c'était Saint-Dié en 2004. Voilà.
le protocole qui eh bien, se déroule face à nous. La petite photo pour les blancs et bleus. Les blancs et bleus, mon cher Gabi, les blancs et bleus, c'est aujourd'hui Taron. Et bien entendu, les jaunes et noirs dans leur traditionnelle couleur. C'est l'amicale du personnel municipal de Metz. L'autre club, bien sûr, de Metz. Il n'y a pas que le FC Metz dans cette ville. Et vous le voyez, le protocole qui est toujours en train de se dérouler face à nous. Alors normalement, on nous avait promis une petite surprise. On a commencé à en parler lors de la finale féminine tout à l'heure. Et la petite surprise, c'est un joueur mythique de l'AS Nancy-Lorraine. Un garçon, l'ailier peut-être le plus rapide de sa génération. Cette saison à l'AS Nancy-Lorraine, la rouille, la flèche, il a travaillé au centre de formation de la SNL. Il avait marqué un but contre l'Allemagne. Exactement, qui restera dans les mémoires d'ailleurs. Propriétaire du Pinocchio, ce fameux restaurant de Nancy, vous l'avez bien dit. Ses fous rires à l'antenne de Canal+ sont bien sûr connus de tout le monde. Je veux bien sûr parler d'Olivier Rouillet. Gabi, est-ce que vous l'avez vu, Olivier Rouillet, dans les parages? Non, mais moi je n'étais pas dans les coulisses. Hein. D'accord. Je suis resté assez haut. Et donc je ne l'ai pas aperçu. Alors est-ce que au dernier moment on va avoir la surprise? Je ne sais pas. On va voir. Michel Platini, on espérait Michel Platini, il n'est pas venu cette année. Olivier Rouillet, c'était plus sûr. Et c'est vrai que pour le moment, on ne le voit pas. C'est lui qui devait en tout cas donner le coup d'envoi. Les Messins, vous les voyez tous sourire en tout cas pour cette belle photo qui va venir clôturer une saison 2013-2014 particulière pour Metz. On les croyait enterrés il y a encore 2 mois dans le championnat de DH. Et ils ont réalisé un parcours incroyable depuis le 1er mai. Ils ont à peu près presque tout gagné. 6 matchs en tout cas sans défaite. Et ils se sont sauvés à la dernière journée. Oui, mais on peut quand même faire dans la nuance. À savoir que au début mai, ils étaient vraiment fringants. Ils ont gagné des matchs largement. J'étais là quand ils ont battu Vemrange 3-0. Il n'y avait pas photo, ils étaient nettement meilleurs que Vemrange. Par contre, on peut dire quand même qu'il y a un certain essoufflement là, qui se dessine. Ils ont fait 0-0 à Saint-Dié, ils ont eu un mal de chien à faire 0-0 contre Amnéville-B dans leur match décisif. Bon, on peut toujours dire qu'ils étaient paralysés par la peur, parce que s'ils le perdaient ce match, ils descendaient en DHR. Donc ils ont quand même rempli leur contrat, à savoir assurer le maintien, ce qui n'était pas évident, parce que je crois qu'à 8 matchs de la fin, ils en étaient toujours à 12-13 points. Et ils sont arrivés à 27 points, ils ont pris 14 points dans les 8 derniers matchs. C'est quand même pas mal. Hein. Mais il y a un certain essoufflement. Alors est-ce qu'aujourd'hui il va être confirmé ou est-ce qu'ils vont retrouver leurs automatismes, leur appétit de but, parce que leur volonté offensive qu'on avait revue à partir du 1er mai. Ben, écoutez, c'est le destin de ce match. Tout à fait, le destin de ce match. On rappelle bien sûr la petite stade du côté messin. 10 matchs joués en 2 mois, pas de week-end de repos depuis près de 2 mois. Ils ont même supprimé une séance et fait 2 entraînements basés sur la récupération cette semaine pour justement apporter un peu de fraîcheur. Et là, le trio que vous voyez actuellement à l'écran, c'est le trio arbitral. Emmanuel Grossman sera l'arbitre central. Il sera assisté de Christophe Grandfils et de Cyril Burger. En moyenne, monsieur Grossman, attention, c'est une fine gâchette. 6 cartons jaunes par match et un rouge. Ah. Attention, fine gâchette, arbitre de DH et il est conseiller technique dans son métier de tous les jours. On voit la concentration du côté messin, on est réunis en cercle, ensemble, les dernières consignes sans doute du capitaine et ça transige un petit peu avec ce qui peut se passer du côté de Taon où on est chacun dans sa bulle à l'approche de cette finale. C'est important, ce serait historique en tout cas pour ces deux équipes. Là à l'écran actuellement, vous voyez, c'est le Messin, à savoir Florian Collin, le numéro 4. Et alors, est-ce que Olivier Rouillet est dans le coin? Je ne sais pas. C'est lui qui doit venir donner en tout cas ce coup d'envoi. On va voir. Apparemment, on n'aura pas de coup d'envoi fictif. Il y a peut-être eu un petit souci au dernier moment pour notre ami Larouille. Ça aurait été en tout cas avec un grand bonheur. Hein. C'est des embouteillages pour venir au stade. Exactement. Et Dieu sait qu'à Nancy... Dieu sait qu'à Nancy, c'est très très compliqué. En jaune, vous l'aurez compris, la PMS sur la droite de votre écran. En blanc, avec une petite touche de bleu, ce sera bien entendu les Vosgiens. Taon, Stéphane Ruggieri, le coach de la PMS qui nous dit on s'attend au même genre de match que notre dernier face à Amnéville. Ce n'était pas un beau match du fait de l'enjeu. Est-ce que l'enjeu va prendre le pas sur le jeu? En tout cas, il nous fait l'honneur et vous l'avez très bien vu, mon cher Gabi.
La Rouille, Olivier Rouillet, l'ailier le plus rapide de sa génération, la flèche. J'ai reconnu, c'est Jean Marquet. Exactement, voilà. Olivier Rouillet, bien sûr, consultant également hein, sur Canal+. C'est super de voir un joueur d'une telle envergure, en tout cas, venir donner ce coup d'envoi. Ça fait partie de la fête de la Lorraine aujourd'hui. Exactement, c'est un grand merci à Olivier Rouillet qui honore cette finale de Coupe de Lorraine. Il l'avait déjà honoré il y a quelques temps. Il joue collectif. Ouais. Il a envie de le toucher ce ballon, on le voit. Il a envie de faire quelques petits gestes techniques. Olivier Rouillet qui était venu d'ailleurs faire son jubilé ici même il y a quelques années. Il avait ramené notamment dans ses valises un certain Zinedine Zidane et de nombreux joueurs de France 98. Et la rentrée surprise de Michel Platini. Eh oui, c'est vrai, exactement. Vous faites bien de le rappeler, Gabi. Vous le faites bien de le rappeler. Voilà Olivier Rouillet qui va disparaître tranquillement de notre écran. Et le match que l'on attend tous, qui va pouvoir commencer d'ici quelques instants. Monsieur Grossman qui va mettre son sifflet à la bouche. Et c'est parti pour cette finale 2014 de la Coupe de Lorraine masculine ici au stade Marcel Picot. Il est 17h30, l'amicale du personnel municipal de Metz rencontre l'entente sportive taonnaise. C'est une finale inédite qui a trouvé son plus bel écrin ici avec le stade Marcel Picot. Eh bien écoutez, on nous annonce en tout cas dans le discours des deux coachs un match des plus serrés. Est-ce que vous avez envie d'y croire, mon cher Gabi? Oh, pour moi ça va être serré, hein, parce que je ne connaissais pas trop Taon B, mais lorsque j'ai lu la composition d'équipe, je peux vous dire qu'il y a de l'expérience. C'est pas des tout jeunes là qui viennent se frotter à une équipe de DH. Hein. Ce sont des gars qui ont déjà voyagé et à un bon niveau. Tout à fait, vous faites bien de le rappeler. Taon, l'équipe, on l'a dit, vosgienne, a un recrutement presque 100% vosgien. Tous ont été recrutés du coin de Taon. Quelques cadres avec de la bouteille, comme vous le disiez, notamment Mathis Pochard, le capitaine, qui lui a évolué du côté de la CFA, CFA2. Par contre, du côté de la PM Metz, beaucoup moins d'expérience. Hein. Il y a une moyenne d'âge de 22 ans environ. Il y a quand même un ou deux garçons qui ont 36 et 37 ans. Ce sont des cadres, bien entendu. Et surtout, beaucoup de joueurs de la génération 92. Et notamment deux garçons qui ont fait de la CFA2 avec le FC Metz, on l'a dit tout à l'heure notamment, avec le numéro 10, à savoir Bonfils Kabanda, qui retrouve donc Marcel Picot. Et le premier ballon, il est pour la PMS, on va faire tourner très tranquillement. Et tout de suite on voit hein, le pressing et le bloc de Taon qui se met en place. Et voilà, Taon, on va essayer de justement alerter le numéro 9, manger, et ça va repartir pour les jaunards. Ouh, il a essayé de faire la différence sur son côté, c'était peut-être un petit peu osé là pour le coup. Ventrer là, c'était un petit peu osé, il va quand même rediriger le jeu vers l'avant. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr commenter hein, ce match. Attention avec cette première frappe, ça a été contré, ça n'a pas posé de danger à la défense de Taon. On va partir désormais côté droit avec cette belle incursion dans la surface de réparation, bien stoppée. C'est un peu le style de Di Rosa, voilà. Il est capable dans les 30 derniers mètres de faire la différence. Il est très très à l'aise dans des dribbles chaloupés. Un peu de déchets sur ce... C'est un gars qui a été justement remis dans l'équipa à partir de cette période, la FAST. C'est un peu lui qui a été le catalyseur. Et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr commenter ce match avec Gabi et avec moi-même via le hashtag Coupe Lorraine. Voilà, vous nous envoyez votre petit message via Twitter. Vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. On est avec un spécialiste, une bible du football lorrain. C'est l'occasion. Et venez surtout partager cette belle fête du football de l'Est de la France. Cette région qui notamment comporte un club qui va retrouver l'élite, on en parlait tout à l'heure, la Ligue 1, le FC Metz. Ça vous fait plaisir, mon cher Gabi? Ah oui. Pas de problème. Ça ne me pose en tout cas aucun problème. Attention à ce débordement côté droit de la part de Taon. C'est bien joué, c'est bien défendu. C'était notamment Sanier qui s'était mis en évidence. Mais très bon repli défensif, notamment de la part de Fresno. On va essayer de repartir par l'arrière pour les Vosgiens. Alors les absents quand même du côté de Metz, il faut le dire. Mer est suspendu, Zvistek est suspendu. Les deux gardiens sont tout de même au stade. Mais deux gardiens suspendus, ça fait beaucoup. Oui, mais Bécus, ça fait un moment qu'il est aligné en équipa. Hein. Là, c'est bien joué ça. Hein. Ouais, tout à fait. Il va pouvoir centrer. C'est bien joué. Et le dégagement en catastrophe
de la part du numéro 4 Messin, à savoir Fauchard, le capitaine, l'expérimenté, comme on vous le disait tout à l'heure. Il y a une bonne chorale vosgienne. Hein. Oui, oui, oui. Bah, ils sont habitués, hein, les Vosgiens. C'est pour se réchauffer l'hiver, m'a-t-on dit. En tout cas, Marcel Picot qui s'est bien rempli hein, dans cet après-midi. Face à vous, alors les sièges sont vides hein, sur votre écran. Vous allez me dire c'est un stade fantôme. Non, puisqu'en fait, la plupart des spectateurs sont de notre côté. Ouais, on ne vous y trompez pas. Je pense qu'on a notre casse-soil 2000. Hein. Ouais, 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 ouais. Parce que la tribune est très bien garnie devant nous. Et c'était l'objectif de la Ligue, justement, d'atteindre ces 2000. Je pense qu'avec le match des féminines, on y est arrivé. Allez, Taon qui va y aller avec Sanier sur ce coup de pied de coin, deuxième poteau. C'est bien joué, la remise de la tête. Très, très bien, la frappe. Hop, 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 hop. On avait signalé une faute du côté de Emmanuel Grossman. On l'a dit, la soirée des grandes premières. Taon et Metz n'ont jamais remporté cette Coupe de Lorraine. La saison des deux équipes, on a parlé de Metz hein, qui ont réussi le tour de force de se maintenir en division d'honneur lors de la dernière journée alors que leur sort était compromis aux deux tiers de la compétition. Du côté de Taon, l'équipe première s'est maintenue en CFA 2 au même titre que l'équipe réserve en division d'honneur régionale. Ouh, ça y est. Attention, attention avec ce bon ballon, la première cartouche, c'est la bonne. L'ouverture du score pour la PMS. Au bout de 100 minutes, on nous a lancé un match serré. Eh bien, écoutez, c'est bien parti. C'est Mogé. Mogé, tout à fait. Qui a justifié sa réputation de buteur. Bon, il y a eu un gros loupé de la défense centrale taonaise. Et lui a été à l'affût. Elle a rebondi. Le rebond lui a permis de prendre le ballon à la bonne hauteur. À 30-40 cm du sol. Il a fusillé le gardien taonais. Et voilà, voilà. C'est bien parti. Et ça commence surtout sur de... On n'aura pas un 0-0. Non, ça commence sur de bonnes bases. Ça commence sur de très, très, très bonnes bases. Avec cette ouverture du score de Damien Mogé, le numéro 9 pour Metz. Et pourtant, c'était plutôt Taon qui avait pris le jeu en main, qui avait obtenu le premier corner, qui avait occupé l'espace de l'APM, c'est-à-dire la moitié de terrain de l'APM. Et finalement, à la première occasion, bing. Eh oui, première cartouche et premier but. Là, la charnière centrale... pas terrible. On appelle ça un headshot dans le langage Jones. Ah d'accord. Non, je dis pas ça pour ça, pas vous Gabi, arrêtez. Alors que il y a un joueur qui est resté au sol, notamment du côté taonais. Écoutez, l'an dernier, on a vécu une finale incroyable. Oui. Bah ça a l'air d'être reparti. Entre Vémange et Lunéville, c'était fini en 3 partout, séance de tir au but, je crois qu'on est arrivé presque au 8e tireur. Bah là on part sur de bonnes bases. On va revenir tous les ans, la Ligue de Lorraine a fait cette finale de Coupe de Lorraine. Avec le coup franc, le bon coup franc, Taonais peut-être pour une réaction immédiate. Ça va se bagarrer à l'entrée des 16m50. Le coup de sifflet bien sûr d'Emmanuel Grossman. Le ballon est dans la boîte, c'est bien dégagé. Et attention peut-être au contre-assassin de la part des Messins. Ouh, il a bien fait de la prendre. Hein. Ah, sinon il y aurait eu danger. Et on va essayer de repartir côté droit. Ce serait une belle cerise sur le gâteau, une récompense pour tous les joueurs qui se sont battus. Michel Gendron, président bien sûr de l'amicale du personnel municipal de Metz. Et président d'une grosse machine, hein. C'est le plus gros club lorrain. Ah parce oui, que tout à fait. Mosellan, c'est sûr, ils sont à plus de 500 licenciés. Hein. Imaginez, j'ai le chiffre exact. Imaginez ce que ça peut donner chaque week-end, ça veut dire entre 25 et 30 équipes à former, à encadrer, à coacher, ça fait du monde, hein, ça fait du monde. Et tous ces gens-là doivent s'entraîner, il doit y avoir une sacrée organisation pour les créneaux d'entraînement. Hein. 524 licenciés, très exactement, 524, c'est le plus gros, voilà. C'est le plus gros club de Lorraine. Je les ai connus à 496, mais ils étaient déjà le plus gros club lorrain. Et figurez-vous que l'APMS organisait avant un tournoi international pupille réunissant les plus grands clubs, notamment, alors on va quand même suivre cette action parce qu'il y a danger là. Là, il y a danger, notamment du côté taonais, la remise. C'est dommage, on va peut-être... Il n'a pas fait le choix derrière. Du numéro 10 là. Ouais, qui était pourtant esselé. On change complètement d'orientation, on est désormais côté droit. Allez, avec Ventrella. Attention, là, encore bonne, oh là, c'est bien joué. Oh, il fallait la sortir de la tête. Et heureusement que Kelfaoui l'a fait. Ah, corner. Et voilà, Monsieur Grossman va quand même accorder le corner. Petit de temps mort là pour dire aussi que il y a quelques gens dont il faut citer le nom à l'APM, Maurice Grandhomme,
Les anciens entraîneurs, Regazzi, Bastia, qui sont toujours restés très fidèles au club, que je vois même en déplacement pour supporter l'APM. Donc c'est vraiment une grande famille et c'est un club qui méritait de rester en DH. Mais bon, ça voulait dire aussi que Amnéville B devait descendre. Hein. Et on peut dire aussi que quelque part Amnéville B mérité aussi. Oula. Oh, il y a une limite des pénaltys. Voilà, le scénario idéal, la fête du football en Lorraine. Il faut le mettre, voilà, hein, il faut le mettre. Il faut le mettre, tout à fait, c'est parfait. Mais on ne joue pas depuis 10 minutes. Et il prend un carton jaune en plus. Mais c'est ouvert le score. Et Bataon, à l'occasion de revenir, carton jaune pour le Messin, en l'occurrence Florian Collin. Et bah écoutez, on part sur d'excellentes bases dans ce match. C'est toujours du spectacle. N'hésitez pas bien sûr à commenter ce match. On vous le rappelle sur Twitter, hashtag Coupe Lorraine. 10e minute de jeu dans 15 secondes. Et le numéro 7, c'est Ventrella, qui va se présenter face à Bécus. Attention, c'est un gardien de réflexe. Hein. Alors, Bécus. Monsieur Alors, d'habitude, Grossman. Les gardiens se mettent, essayent de gagner du terrain. Lui, il est derrière la ligne. C'est parti pour rentrer là, contre-pied parfait. Égalisation, 10 minutes de jeu à partout. Oula, si on part sur ces bases-là, mon cher Gabi, on va vivre une soirée magique. Ouais, Charpentier est en train de dire à ses gars, il n'y a rien qui s'est passé. 80 minutes, on est à 0-0. Bon, on est à 1, ça revient au même. Hop, ne pas perdre le fil du match. C'est sûr qu'il vaut mieux rester à 0 qu'à 1, mais il n'y a pas de dégâts. Les deux entraîneurs, Stéphane Ruggieri côté Messin, Julien Kieffer. Il faut quand même signaler que Mousmalek donne un coup de main à Stéphane. Oui, tout à fait, c'est un duo, vous avez raison. Et je voulais vraiment en parler de Mustapha Malek, tout comme Farid Touileb hein, du côté taonais. Farid Touileb. Mais enfin, lui, il avait les fonctions de l'équipe A. Ouais. Tandis que Mousmalek est venu donner un coup de main à Stéphane Ruggieri. Est-ce qu'on peut dire que c'est un réel duo, un binôme? Bon, avec... Avec une hiérarchie. Une hiérarchie, je dirais. Et il y a quand même l'expérience de Mousse. Hein, il a quand même voyagé. Et ça a fait du bien dans ce mois d'avril-mai. Là. Et bien sûr, vu qu'on a parlé de Farid Touileb, on rappelle que c'est l'ancien coach, notamment de Raon L'Étape, qu'il avait participé à la montée de Raon L'Étape en national, au maintien de Raon L'Étape en national. Et qui s'est occupé aussi de Raon B, qui jouait en DH. Tout à fait. Et qu'il a eu sous ses ordres un certain David Théophile. Ça dit peut-être rien à nos auditeurs. En fait, c'est notre patron. C'est le patron de VisioFoot. Voilà. Ah, d'accord. Donc on lui fait un coucou s'il nous regarde. Un ancien grand joueur. Et l'entraîneur principal, lorsque Touileb était à Raon, c'était Olé Nicole. Ah, Didier Olé Nicole. Voilà. Eldon même, et comme on l'appelle. C'est lui qui a façonné. Vous savez que j'ai joué contre Raon en DH. Et après, ils se sont retrouvés prêts à monter en D2. Hein. Ouais, complètement. En L2, maintenant, on appelle ça. Et si je ne me trompe pas, Didier Olé-Nicole avait fait le coup avec Clermont, qu'il avait fait remonter jusqu'en deuxième division, avec une génération incroyable, un parcours incroyable. Il n'a pas eu de réussite avec le GC Nice. Ouais. Mmh. Oui, c'est dommage. Didier Olé-Nicole qui, malheureusement, l'an dernier, entraînait le FC Rouen, mais a été victime du dépôt de bilan du club mythique des Diables Rouges. Cette année, aux dernières nouvelles, il me semble qu'il avait des pistes en Afrique ou en Belgique. Ah, d'accord. Mais j'ai pas d'infos. Je vais chercher ça, je vais vous dire ça dans quelques instants, mon cher Gabi. Un grand entraîneur, ce Didier Olé Nicole. Il donne, comme on l'appelle. Bon, j'ai pas l'accent italien, donc ça le fait pas trop, mais je vais travailler les moustaches. Oh là, c'était passé le bon petit pont. Ça chambre un petit peu du côté Messin. C'était notamment Di Rosa. Il a l'air à l'aise techniquement, ce Di Rosa. Ça, c'est le frère de... C'est Mogé, le frère du buteur. Tout à fait. Et on va relancer du côté taonais. C'est de repartir à l'attaque. Au milieu de terrain, notamment. C'est concentré. Hein. Il va y avoir une belle lutte. On le disait, et surtout les coachs nous disaient, il y a surtout beaucoup d'espace avec ce nouveau bon débordement d'Aventrella. Celui qui a égalisé tout à l'heure sur penalty. Les deux entraîneurs étaient d'accord avant ce match, Gabi, pour dire que ce qu'elle est la différence. Oh là là, oui, il y a eu grosse faute. Eh oui, là, monsieur Grossman était obligé de mettre le sifflet à la bouche et de mettre un petit coup de bien souffle. Parce qu'il pourrait lui mettre un carton jaune, ouais. Parce que c'est faute grossière. Hein. Mais les deux coachs se posaient la question de la fraîcheur physique. Écoutez, on part en tout cas sur des très grosses bases. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire, mais il y a du jus, il y a des espaces, il y a de la débauche.
Quel est votre pronostic pour l'ombre? Est-ce qu'elle va gagner tout le terrain, la moitié du terrain, les trois quarts du terrain? Attendez, je lèche mon doigt, je vais vous répondre. Oh, attention, c'était pas passé loin. La reprise immédiate, comme elle vient, boxée par le gardien Messin. Oh, attention à cette deuxième tête qui ne donnera rien. Eh bien, Bécus, Nicolas Bécus, il ne vous fait pas mentir, mon cher Gabi. Il est bien rentré dans son match. En fait, vous avez deux styles d'équipe B. Vous avez le style d'une équipe jeune, qui est plutôt en formation. C'est pas du tout le cas de Taron, là c'est des gars qui ont fréquenté le haut niveau amateur, c'est-à-dire CFA1, CFA2, et là qui se retrouvent en faisant circuler le ballon d'une façon très très cohérente, un jeu hyper léché, et finalement pour l'instant ils ont plutôt, c'est plutôt Taron B qui a le match en main. Hein. Oui tout à fait, ouais. Taron qui en tout cas a fait une entame très sérieuse. Mais ça n'empêche que... Ce désir de jouer laisse beaucoup d'ouverture et n'est pas exempt d'erreur. Et on l'a vu sur l'ouverture du score. Tout à fait. Et même sur l'égalisation, avec ce pénalty provoqué, on le rappelle, par Florian Collin. Le ballon dans la surface de Taonnet. Mais ça ne donnera rien. Un petit coup d'œil au hashtag Coupe Lorraine. Et Renard Tapie, décidément un grand ami à vous, mon cher Gabi. Je crois savoir que vous êtes fan de tennis et il vous envoie un petit score. Sharapova et Alep, elles en sont à un partout en finale de Roland-Garros. Ah, voilà. Il vous connaît bien, Renard Tapie. Est-ce que Alep a gagné le premier set? Il va nous dire ça tout de suite. Il va nous dire ça tout de suite. Non, parce que Sharapova a pratiquement toujours perdu ses premiers sets, mais elle a gagné les matchs. Vous êtes une bible du sport, Gabi Dali. Vous savez, retraité l'après-midi, hein, c'est la télé. Hein. Oh, le beau décalage est bien fait, ça va peut-être être un peu court, il arrive à sauver, c'est bien joué, le Taonnet, ce numéro 2, oh, Lep qui va lancer, oh là 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 là, et ça va être un bon corner. C'est pas le jour du 4, hein. Ah non, Colin, ça c'est sûr, là, sur ces deux prises. Il est encore traumatisé par son pénalty. Florian Collin. Et vous voyez, hein, l'arrosage, ça a fait fuser. Je peux vous dire qu'il a été dru, l'arrosage. Allez. Rentrer là pour ce corner, ça a été touché par un Messin. Il va y avoir un second corner normalement de l'autre côté. Non, 6 mètres. Il me semblait pourtant que notre ami Corentin Massing avait retouché le ballon. Écoutez, on va se fier en tout cas à la vie, hein, de monsieur Grossman. 20 ans qu'on n'a pas participé à une finale de Coupe de Lorraine. Ayons le comportement sportif digne. L'enjeu ne doit pas le prendre le pas sur le jeu. Ça, c'est Nicolas Clazadonte, le président de l'ES Taron. Peut-être qu'ils se sont fait un peu surprendre, hein, sur cette première action, première occasion Messine où ils ont encaissé le but, les Taonnais. Il y a les supporters messins qui donnent de la voix. Et à votre avis, est-ce qu'il y a des supporters du FC Metz qui sont venus encourager l'APM? Vous qui êtes un grand spécialiste. Les supporters de l'APM sont supporters du FC Metz. Attention. Vous savez, en Moselle... Oui, c'est soit Nancy, soit Metz. Non, oui, non, pardon, pas en Moselle. Non, c'est que Metz, oui. Pas me faire que les amis encore. En Lorraine. En Lorraine. Bon, après, ça dépend de la région où vous vous trouvez. Mais moi ça ne m'aurait pas du tout déplu que Nancy monte. Hein. Non, tout à fait. Si on pouvait avoir les deux, ça serait bien. Voilà. Et ils en sont à deux fins de saison qui se terminent mal, quoi. Parce que l'année dernière... Patrick Gabriel avait failli faire l'exploit. Et j'étais ici lorsqu'ils ont été battus par Bastia. En gagnant contre Bastia, ils se maintenaient déjà en L1. Et là, cette année, c'est un peu la défaite contre le CR Bastia. Oui, tout à fait. Club jumelé avec le Sporting. Voilà, c'est cette défaite-là qui a fait mal à Nancy. Hein, parce que sinon, le parcours, il est exceptionnel. Hein. À partir du mois d'octobre, on peut dire que Nancy a pris des points. Hein. Pas autant que Metz. Non, bien sûr. Ça m'aurait étonné. Allez, ventre à la carte, partie côté droit. Il y a une grosse activité sur son côté droit. Et là, la poussette, bien sûr, la poussette. L'arbitre a dit que c'était un coup d'épaule. Ah, Kabamba qui serait tombé tout seul. L'ancien joueur de l'Est, Nancy Lorraine, qui retrouve Marcel Picot. On vous en parlait tout à l'heure. Ah, c'est dommage, le décalage avait été fait. Hein. Pourtant, tout à l'heure, on ne pourra pas revoir cette photo ralentie. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de ralenti. Est-ce qu'elle commence à chambrer un petit peu dans le stade? C'est très sympa. Attention à ce décalage qui a été trouvé. Il y a un chef de chorale, hein, du côté messin. C'est organisé. Hein. Pas que dans les Vosges, on s'est chanté. Après tout, c'est l'amical du personnel messin. Exactement. Oh là là, attention.
Il s'était écroulé, monsieur Grossman n'a pas bronché. Et on va pouvoir s'en sortir tant bien que mal du côté messin. Regardez même très bien. Qu'il y a. C'est pas du tout, tout fermé. Fait, hein. Tout à fait, tout à fait. C'est pas du tout le match en tout cas que vous avez présenté les deux coachs. Avec ce bon ballon côté gauche pour Di Rosa. Di Rosa qui va les provoquer, il est passé, il est tombé. Ah bah oui, mais... gros comme marquage. A, hein. Comme il n'a pas sifflé de l'autre côté. Lep qui fait un gros gros marquage sur Di Rosa. Là on a un duel match dans le match hein, avec ce numéro 2 que vous voyez surtout actuellement que... à l'écran. Surtout que vous allez voir, Di Rosa, il est dans la provocation permanente. Hein. C'est vraiment, c'est un gars qu'on ne doit pas lâcher d'une semaine. Oh, attention, ce provocation positive. Oui, c'est ce que, c'est ce que j'allais rajouter. Sportive. Tout à fait. Pas verbal. Voilà. Que avec les pieds. Le ballon qui est sorti en touche. Vous voyez le second arbitre assistant actuellement, Cyril Burger ou Burger, je ne sais pas. Alors, Burger, juste pour peut-être. Vous dire que Cyril Burger. Et natif d'Algrange. Ah. Ah voilà. Un point en commun en plus avec vous, décidément. Son papa était mon gardien de but à Fontoy. Et on vous le dit, hein, le foot c'est souvent une histoire de famille. Incroyable. D'ailleurs, surtout en Lorraine, j'ai l'impression. Le papa a rejoint le nouveau comité de l'AS Algrange, il me semble. Eh ben, salut le papa en tout cas, qui doit sans doute regarder Fiston actuellement. Ah bah il est là, il est là, il m'a salué. Il est même au stade. Ouais. Allez, Taron. Qui joue beaucoup sur la verticalité du terrain. On voit souvent les deux couloirs monter et apporter le surnombre. Ça peut faire mal à la PMS. La question que je me pose, est-ce qu'en deuxième mi-temps, quand il va faire très chaud, que la fatigue fera ses premiers effets, est-ce que la technicité supérieure des Taonais prévaudra ou est-ce que la jeunesse des Messins l'emportera? C'est la question que je me pose. Parce que je vois que l'ombre ne gagne pas finalement du terrain. Et il fait encore chaud, hein. Il fait encore chaud, vous avez raison. Il fait encore très très chaud là tout à l'heure. Vous savez que c'est le moment de la journée où il fait le plus chaud. Hein. Oui, oui. Et encore plus quand il y a une finale de Coupe de Lorraine. On pourrait presque oula, craquer le t-shirt. Attention, c'est bien joué, il est rentré dans la surface. Il va pouvoir s'entraîner. Non, ça a été contré. Très intelligemment joué de la part de Corentin Massingue, ce grand défenseur avec cette belle coupe de cheveux. Ah, Ventrella, là, il donne du souci. Hein. Ah, Ventrella, oui, il y a une grosse débauche hein, sur son côté droit. Justement, le fait de jouer ici à Marcel Picot, est-ce que c'est une aide ou est-ce que ça peut être aussi avoir des côtés un peu négatifs pour les deux équipes? Julien Kipfer, l'entraîneur de Taron, nous disait l'idée, c'est de profiter du moment, être acteur du moment, savoir gérer ses émotions. Picot, ça se mérite et c'est l'occasion de représenter le club, honorer notre maillot. Du côté de Stéphane Ruggieri, on disait Marcel Picot ne va pas nous faire peur, on s'en délecte, zéro regret les gars. Moi je disais à mes joueurs avant le match, avant mon dernier match d'entraîneur, parce que c'était la finale contre Que Lille. Vous avez remporté. Voilà, j'ai quand même terminé sur une bonne note. Mais je leur disais, une finale, c'est bien de la jouer, mais c'est 100 fois mieux de la gagner. Ah oui, on passe une meilleure soirée après. Même la nuit. Hein. Même oui. Et celle-là, elle avait été arrosée. Je veux bien vous croire, je vous fais confiance, Gabi. Je suis un champion de la troisième mi-temps aussi. Pourtant, je vous ai trouvé sobre. On repasse midi. Ah ben, le travail. Oui, hein, le travail. Bien sûr, on est professionnel avant tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va revenir au jeu avec cette faute subie par le Taonais. En l'occurrence, Julien Lep. On vous l'avait dit, hein, Julien Lep, Di Rosa. Ça va être intéressant tout au long du match. Là, c'est Ventrella qui se positionne côté droit. Ventrella et son pied droit, bien entendu, pour un ballon direct dans la boîte. Ouh, il a bien ouvert son pied. Il va falloir qu'il sorte le gardien. Il a repoussé des deux points. Bien, et c'est le capitaine. Boulot, hein. Il a fait son boulot. Hein. Ouais. Elle était embêtante. Hein. Il y a un joueur de Taron qui est resté au sol. Et monsieur Grossman qui va venir aux nouvelles. Alors, j'ai des nouvelles hein, du match qui vous intéresse, l'autre match qui vous intéresse, mon cher Gabi. 6-4 Sharapova, puis 7-6 Alep, et maintenant 2-2. Voilà. Ah, donc Alep est revenu au score. Et exactement. Ouh, ça sent mauvais pour Sharapova. Vous voyez, pas besoin de se connecter sur votre télé, vous avez tout. Voilà, vous êtes sur le player, vous suivez Roland Garros, la Coupe de Lorraine, vous avez tout. Il me manque juste les cris de Sharapova. Je peux les faire, vous inquiétez pas. J'ai révisé ça aussi. N'oubliez pas bien sûr de commenter ce match. La petite pause comme tout à l'heure, hein, la mi-temps. C'est l'occasion de boire un coup parce qu'il fait très chaud, on l'a dit, dans toute la France. Et notamment sur Nancy aujourd'hui.
N'hésitez pas bien sûr à commenter ce match avec nous. Hashtag Coupe Lorraine. Ça se passe sur Twitter bien entendu. Il y a l'ombre qui commence à gagner, mais derrière le but à gauche. Ouais. Ça va être important ça. Il y aura peut-être les trois quarts du terrain qui vont être à l'ombre. Et en tout cas, des deux gardiens, il y en a peut-être un qui sera plus gêné par le soleil. Ouais, ouais, ouais. C'est côté Messin. Puis je vous dis pas le soleil couchant. Parce ouais. qu'il va être couchant là. Hein. Ouais, dans pas longtemps. Ça va venir. 24 ah, minutes mon de jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Ça a été arrêté à 21 en tout cas du côté du stade. Donc on va dire que cette pause aura duré pour le moment 3 minutes, 3 minutes 11. C'est le temps qu'il faudra rajouter bien sûr pour le temps additionnel. Et vous voyez les joueurs, les 22 acteurs qui vont revenir sous les applaudissements bien entendu du stade Marcel Picot. Où le public bien sûr a répondu présent pour cette belle fête. Alors la préparation, comment ont-ils préparé ce match? Côté Messin, on l'a dit, il y a eu beaucoup de matchs en mai. On a misé sur la récupération avec deux séances au lieu de trois. Deux séances basées sur la récupération. Côté Taonnais, on n'a rien changé aux habitudes. Préparation normale. Avec la fin de saison, ben, on pense qu'elle a envie de bien faire. Trois entraînements dans la semaine, comme d'habitude. Et Julien Kimfer nous disait, il ne faut pas rendre l'événement banal, mais rester sur ce qu'on connaît et ne pas rajouter du stress. Qu'est-ce que vous en pensez, Gabi? Je suis tout à fait d'accord. Il ne faut surtout pas créer un événement dans l'événement. Je pense que les joueurs déjà y pensent assez, donc il ne faut pas que l'environnement en rajoute une couche. Ah, c'est sûr il faut aborder ce match tout à fait normalement. C'est là que les joueurs jouent le plus en confiance et étalent leurs compétences. Le ballon qui va partir à gauche pour peut-être une nouvelle joute, une joute supplémentaire pour les Taonnais. Avec ce numéro 10 qui n'a pas hésité à redescendre d'un cran pour aider ses partenaires, c'est Kabanda. On sent qu'il a du volume, on sent qu'il a de la technique. Ouh, le pied était un peu haut hein, du côté de Lusikama. Et on sent que ce numéro 10, Kabanda, bon fils Kabanda, il peut faire la différence. On le voit virevoltant en tout cas au milieu de terrain. Pour le moment, c'est très dense. Et une grosse bataille. Un partout. Alors, Di Rosa occupe bien le poste d'ailier. Ouais. Contrairement à la compétition d'équipe où on l'avait vu dans le milieu. C'est vrai. Il fait partie du trident offensif. De toute façon, le coach nous avait dit hein, qu'il pouvait alterner sur un 4-4-2, un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 et que ça évoluerait dans le match. Ouh, attention, la petite glissade pour Corentin Massin. Pour le moment, plutôt impeccable, hein, ce défenseur central. Ouais, il a du jus, hein, lui. Hein. Moi, j'aime bien. C'est une finale de coupe, hein. On le dit, on l'a répété. Qui jouait à Manille, hein. Ouais. C'est rare quand même les joueurs qui quittent l'APM, qui quittent Manille pour aller à l'APM, hein, parce que c'est deux clubs, on peut dire rivaux. Hein. ils se battent sur la scène messine. Il s'est pas fait que des copains au passage. Est-ce qu'ils lui ont jeté des têtes de taureau lors de son retour? Je ne sais pas. Ah, peut-être l'occasion de lui poser la question. Ils lui ont pas acheté des billets verts. Ça c'est la seule chose qu'on sait. Allez, la possession pour Metz et on ouvre. C'est bien, dans l'axe. Il y a des possibilités avec le départ notamment de Mogé. Aïe, 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 aïe. On pêche un petit peu dans la dernière passe du côté des Messins. Ces fameux 30 derniers mètres. Et c'est Taon qui repart avec Jantet. Oh oui, c'est bien ce beau tacle, beau geste défensif de la part du défenseur Messin. La louche. Reçu, c'est bien. C'est sérieux, hein, très honnêtement. On a eu 5 minutes d'enfer là. Penalty, la glissade. On a du mal à imaginer qu'on a face à nous un pensionnaire de DH pour Metz, un pensionnaire de DHR pour Taon. On a l'impression que c'est Taon qui a joué au-dessus. Hein. Ouais, complètement. C'est un jeu beaucoup plus léché, plus construit. Mais bon, en face, il y a plus d'explosivité. Hop là. Attention à ce ballon de Kim notamment, qui va récupérer la faute. Justement signalé par Emmanuel Grossman. Ah, et oui, bien sûr, le carton, je vous l'avais dit. Cet arbitre. C'est une gâchette. C'est pas pour lui manquer de respect parce que pour le moment il tient très bien son match. Sa moyenne c'est 6 jaunes, 1 rouge. Écoutez, pour le moment on est dans les cordes et on est dans les clous. Ah, c'est sa moyenne. C'est sa moyenne. Oh là là, moi j'ai cru que c'était sa moyenne. J'étais étonné de votre propos. J'ai dit, un carton rouge dans une saison c'est pas terrible. En fait, c'est un carton rouge par match alors. Voilà. Ben. Un garçon, un arbitre habitué bien sûr à la division d'honneur. Alors, peut-être que c'est vrai que c'est un petit peu plus viril. Si l'arbitre aujourd'hui, c'est qu'il a fait quand même une très bonne saison. Oui, complètement. Parce qu'au niveau du. On prend le premier au classement. Hein. Tout à fait. C'est vrai que les arbitres sont notés. Hein. Exactement. Il y a des observateurs qui viennent, des anciens arbitres généralement.
et qui leur mettent une note. Et puis après, il y a un pondéré qui est fait. Et on désigne l'arbitre de la finale, mais aussi on désigne ceux qui sont rétrogradés, hein, malheureusement. Parce qu'il y en a d'autres qui vont monter. Et oui, c'est le grand jeu. C'est pareil pour les clubs, c'est pareil pour les arbitres. Le coup français est bien parti. Attention, deuxième poteau, ça avait sauté. Et là, il y a eu un beau tampon, en tout cas, entre le gardien taonnais Thomas Denovilliers et le numéro 9, celui qui a marqué le but tout à l'heure, Damien Mauger. Ça a l'air d'aller, les deux garçons se sont relevés. Denovilliers, hein, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Hein. Ouais. Il a voyagé lui aussi. Hein. Il était à Lunéville. Donc là, il est resté à terre pour bien signifier que finalement, c'est pas lui qui a raté sa sortie. C'est plutôt une bousculade qui l'a empêché de se saisir du ballon. Et justement, c'est ça le vécu. Hein. C'est ça le vécu, tout à fait. C'est ça l'expérience. Et justement, ces joueurs, Gabi, qui évoluent en DH, c'est quoi ils restent souvent dans leur club? Ils restent sur des cycles de 3 ans, un peu comme les professionnels, ou ça change énormément d'année en année sur des clubs qui sont géographiquement toujours assez proches? Il y a quand même des mouvements. Mais des mouvements, je vais dire, qui restent très locaux. D'accord. Dans la même ville. Je pense par exemple qu'on peut aller à Épinal, mm-hmm. en tente sa chance au plus haut niveau, parce que Épinal va monter quand même en national. Oui, tout à fait, le retour. Donc c'est normal, à mon avis, un joueur doit aller se jauger par rapport au haut niveau. C'est même le premier niveau professionnel dans certains cas. Et après, lorsqu'il voit que ça ne marche pas, plutôt que de jouer à Épinal B en DH, eh bien, il va jouer à Taron en CFA2. Ça me paraît, c'est une démarche tout à fait logique. Où il a fait la différence, le Taonnais Romain Fresneau. Malheureusement, moi, pour je l'ai lui. Connu à Jarville, connu à Neuve-Maison, je l'ai connu à Taroua. Il y a des Xavier Gravelaine, même en DH. Des gens qui ont fait beaucoup de clubs. Vous savez, Jarville-Taron, hein, finalement, ça fait 25 km, hein, 30 ouais. km, et c'est de la 4 voies. Hein. Ça va vite. Surtout avec une grosse cylindrée. Voilà. Faire attention au radar. Ah oui, ça. Ça part même plus. Allez, il va essayer de relancer. Ventrella. Qui n'a pas le jus de tout à l'heure. Donc il va laisser l'EP monter. On va s'appuyer sur l'Uzicama. Paris, on change complètement de rotation. Qui a fait sa formation à l'AS Nancy-Lorraine. Exactement. Tout comme le garçon qui avait le ballon, Kabanda. D'ailleurs, il a un frère qui joue aussi à un bon niveau, DH, DHR. Oh, la belle talonnade. C'est bien joué ça, de Kabanda, avec peut-être une bonne opportunité de centre. Ouh là 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 là, en tout cas techniquement pour le moment c'est très propre. Hein. Il y a peu de déchets, tactiquement c'est bien en place. Surtout c'est très propre du côté taonnais. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai que les Messins sont un peu plus renfermés dans leur boîte. Ils n'ont jamais le ballon. Hein. Ouais, privés de ballon, et ça va les épuiser au bout d'un moment. Parce qu'il y a la chaleur, courir après le ballon, c'est jamais agréable. Ça use physiquement et mentalement. Oh là, c'est passé. Oh là, c'est passé. Et attention à cette bonne balle de but avec Luzicama. Oh, aïe, 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 le sauvetage. Le sauvetage de Massin. Mais que c'était bien joué, hein. Ah oui, alors là... Vous vous rendez compte qu'il y a bien eu 20 passes contre ses cuisines. Ah ouais, facile, une belle séquence de jeu en tout cas. Et c'est reparti avec Mauger. Mauger, oh, c'est dommage, il pouvait décaler à droite. Il pouvait décaler à droite. Mais c'est pas du tout le même style de jeu. La PM prend le ballon, elle le perd au bout de 3 passes. Alors que de l'autre côté, bon, on passe d'un côté, hop, on repasse derrière, on va de l'autre côté. Puis après, il y a un appel, comme c'était le cas là. Le 8, Janté, qui appelle en profondeur. Il profite de la glissade du milieu défensif de l'APM et on arrive à une très grosse occasion de but. Hein. Attention. Ah, je suis très agréablement surpris par le niveau des Taonnais. Hein. Ah oui, ça faut le dire. Mais bon, vous n'arrivez pas quand même en finale de la Coupe de Lorraine par hasard, complètement. Et là, ça justifie les choix de l'entraîneur. Franchement, ça aurait été dommage qu'ils mettent les gars de la A. Oui. Pour cette finale, hein, parce qu'à mon avis, ils se sont fait plaisir toute la saison. Mais c'est... Là, ils se font plaisir, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah bah là, ça se voit. Regardez. Ah, l'arbitre ne siffle pas. Là, ça se voit. Il laisse jouer. On réclamait notamment une faute du côté de l'EP. Hop là. Ah, c'est bien passé là pour Sagnier qui va pouvoir centrer. La tête, elle était belle. Voilà. Oh, c'était encore ce diable de Mauger.
Et on a eu 10 minutes de possession taonaise et en 10 secondes de possession Messine, eh ben on a failli avoir le 2-1. Et oui, en contre, ça peut aller très vite. Hein. Côté Messin, ils vont jouer leur coup à jouer, ils vont jouer leur coup à fond. Et surtout ce garçon-là, Damien Mauger, attention, hein, faut le surveiller ce garçon parce que... Vous savez qu'il a mis des buts à l'appel. Hein. Bon, entre nous... Non, même si on est à l'antenne, il n'aime pas trop l'entraînement, il paraît. Ah, il paraît que ça arrive. Hein. Même chez certains grands joueurs, je me rappelle d'un Souleymane Diawara du côté de l'OM, qui lui non plus détestait l'entraînement et y allait toujours un petit peu en reculons. Un joueur professionnel, c'est quand même... Ouais, c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Il est toujours le dernier au moment de faire le tour de terrain. Attention, oh, Mauger, la barre transversale. Hors-jeu. Et il était hors-jeu, mais il me semble que c'est Beson hein, du côté taonais qui l'a dévié cette balle. Le numéro 6... Ouh. Et voilà. Eh ben, Damien en Mauger. Une minute de possession, les Messins ont eu deux occasions. Et peut-être que ça justifie la division de plus. La DH pour la PM. En tout cas, on est vraiment parti sur les chapeaux de roue, quoi que ça soit. C'est un faux rythme là désormais. Alors qu'on a passé la demi-heure de jeu. Est-ce qu'on peut expliquer aussi le bon comportement des Taonais par le fait qu'il y a un peu plus d'expérience dans ce groupe? Oui, oui. Non, mais c'est, je vous dis, c'est, il y a deux options pour une équipe B. Hein. Ou bien vous prenez les meilleurs U19, les meilleurs U17-2, vous mettez un ou deux anciens, et puis vous préparez l'avenir. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est des gars qui ont pratiquement terminé leur carrière, qui se font plaisir, qui jouent, au lieu de jouer dans une équipe C, ben, ils jouent à une équipe B en DHR. Bon, ben, ils font du bon boulot, ils font du bon football. Et ils arrivent en finale de la Coupe de Lorraine. Et ils peuvent la gagner. Hein, ils peuvent la gagner, bien sûr. On rappelle que la PM Metz qui est rentrée au cinquième tour hein, de cette Coupe de Lorraine, ils avaient d'ailleurs gagné au tir au but 10 tirs à 9 lors de leur entrée face à Clouange après un score final de 1 partout. Clouange, pensionnaire de PHR. Du côté de Taon, on est rentré pour le coup en 32e de finale face à Avière d'Arny. Victoire 3-0 à l'époque. Je vais vous dire, lorsque je l'ai gagné avec Thionville, on a été, je crois, en 16e de finale à l'APM, oui. Mercredi soir, et on a fait 2-2, épreuve de tir au but, et on a gagné 19. Ouf. Alors vous voyez, il y a des ressemblances. Bien sûr, bien Alors, sûr. Alors je dirais que l'APM est plutôt... Parcours de champion, vous voulez dire. 10 à 9. Je me souviens qu'il y avait un de mes joueurs qui ne voulait absolument pas tirer. Et donc le prochain tireur, ça allait être lui. Dieu merci. Sauvé par le gong. Il y a eu un médecin qui a loupé son péno. Non, c'est mon gardien qui avait arrêté le péno. Superbe. Eh bien écoutez, 10 à 9 là, le pacemaker il doit prendre un coup quand même. Hein. Ah, on a terminé dans la nuit. Hein. Eh oui. Forcément. Et j'avais coutume de dire que lorsqu'on passait au tir au but le tour suivant, c'était on bon. Se faisait éliminer. Ah. Et bien là, on est passé au tir au but à l'APM, on est passé au tir au but contre Sarreguemines, on est passé au tir au but contre Algrange. Vous vous rendez compte ? Par contre, on a gagné la finale 2-0. Oui, voilà. Oui, il fallait, en finale, il fallait vite régler ça et surtout pas justement faire de mal au cœur. Taon également, hein, qui est passé par les tirs au but, hein, c'était en quart de finale. Face à Ludre, pensionnaire de PH. Vous voyez, ça c'est une pelouse qui leur va bien. Je pense que sur un terrain un peu bosselé, où ils essaient de pratiquer leur football léché, ils doivent être quand même un peu handicapés. Hein. Complètement. Ils peuvent être surpris par l'engagement, par l'état du terrain bosselé, parce que bon, c'est basé sur la circulation. Hein. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes fan, Gabi, de cette généralisation un petit peu des terrains synthétiques dans le foot amateur et sur les différents terrains? Non, mais pour outils d'entraînement, vous ne pouvez pas avoir mieux. Ouais. Hein. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Hein. C'est quand même les terrains rouges, hein, il fallait se les farcir. Puis les terrains verts, c'est bien, mais ça souffre. Hein. Ouais, ça, complètement. Ça coûte cher. Ouais. Et c'est comme c'est le terrain d'entraînement, il faut déjà avoir une commune aisée pour que le terrain d'entraînement soit hyper entretenu. Hein. Si c'est pour dire après, ben non, vous pouvez pas vous entraîner. Oui, ça la fout mal. Voilà. Le débordement côté droit, c'était bien joué de la part des Messins, mais ça a été rapidement annihilé par les Taonais qui vont repartir. Et regardez comment va se mettre en place la pieuvre taonaise avec sans doute ce décalage à droite. C'est fait à destination de Ventrella. Ventrella qui va centrer au point de pénalty. Il y avait un garçon qui était tout seul, c'était Luzikama.
Oui, mais heureusement, Kama, il n'a pas fait l'effort de couper au premier. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah, il espérait que Massin se trouve, mais bien mal lui en a pris. Le voilà, Massin, à votre écran. Jeune joueur. Ah oui, oui. Ce Massin, mais pour le moment, il tient la baraque derrière. Allez, c'est reparti pour Taron. Avec notamment Jantet qui avait laissé passer. Et Taonais qui ont vraiment le pied sur le ballon. Hein. Depuis le début de cette partie, on en est un partout. Mais ils peuvent en tout cas nourrir des regrets. Hein. Sur la première occasion Messine, ils ont laissé filer manger. Ils l'ont payé très cher avec l'ouverture du score au bout de 5 minutes. Heureusement qu'ils sont revenus sur pénalty. Mais la physionomie en tout cas, elle est claire. Ouais, mais il y a eu quand même encore des grosses occasions, c'est vrai. Deux occasions franches pour les Messins. Hein. C'est vrai. Mais bon, la possession est totalement taonaise. Allez, la touche pour les Taonais. Stéphane Ruggieri qui nous disait « Taon a eu des difficultés à se maintenir sur un match, il y a du nivellement, il n'y aura pas de différence technique, ils ont tout de même un sacré bloc, très compact, ils ne vont pas nous prendre à la légère. » Attention à cette reprise qui va revenir comme elle vient, et ça va passer juste au-dessus. Il a eu raison, Jantet, de prendre sa chance, parce qu'il faut varier, forcément. Ouais, puis gardien était un peu avancé, si c'est cadré, il est dans l'embarras là. Le gardien, justement, qui va effectuer cette remise en jeu pour Metz. Nicolas Bécus, 40e minute de jeu. On s'approche tout doucement de la mi-temps. On vous rappelle qu'il faudra ajouter 3 minutes, hein, en plus du temps additionnel du fait de la pause boisson. Position de hors-jeu, très justement signalée par Cyril Burgère. Position de hors-jeu, notamment de Théo Di Rosa. Et j'ai l'impression que l'intensité quand même est redescendue par rapport au premier quart d'heure, première 20 minutes qu'on avait suivi ensemble. Ça se neutralise davantage à l'approche de cette mi-temps. Oui, il y a moins d'événements. Exactement. Alors on parlait tout à l'heure du parcours des deux équipes. Hein. Les mauvaises langues diront que Taron a eu un tirage favorable. Est-ce que vous êtes de cet avis Alors je n'ai pas suivi leur parcours, alors rappelez-moi ça. Je vais vous dire ça. Alors en 32e, Taon a battu Aviar Darny. 16e, ils ont battu Reading. 8e de finale, Ucange. Alors là, vous allez vous faire disputer par les habitants de Redin. Redin, excusez-moi. J'ai failli dire Reading, comme le club anglais. Ouais, c'est comme là, je t'ai plus invité pour les vacances. Parisien, Metz. Oui, voilà, oui, alors, ça, oui. Ça, on apprend à l'école. Si on a eu un bon prof d'histoire géo, normalement on sait que c'est pas Metz, c'est Metz. Et ceux qui n'ont pas travaillé, bah écoutez, vous l'aurez appris en regardant le foot aujourd'hui. C'est comme à l'école. Donc, on va reprendre, excusez-moi. À Ludre ensuite. Hein, voilà, Ucange, Ludre et Saint-Dié-Kellerman. Alors à Ucange, c'était combien là Ucange, Ucange, ils avaient fait 2-0, pensionnaire de PH. Oui, attention, Ucange, ça monte en DHR. Hein. Moi, j'ai dit que c'est les mauvaises langues hein, qui disaient. Ouais, non, c'était pas un parcours facile. À Ludre, rien n'est facile. Saint-Dié-Kellerman, il fallait le faire. Hein. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents, hein, Saint-Dié-Kellerman. Hein. Et donc, Romba, qui a failli monter en DH, hein, a été éliminé à Saint-Dié-Kellerman. Hein. Allez, le coup franc devant Trela. Oh, attention, c'était bien tiré et à nouveau bien dégagé par la défense. Et là, il va falloir mettre un peu de rythme hein, du côté Messin, essayer de s'approcher. Le plus possible. La début bonne idée, là, c'est de changer carrément le jeu. Di Rosa qui cherchait manger. C'est un peu téléphoné. C'est un peu téléphoné, là, le jeu des offensifs messins. Vous l'avez dit, et il a été servi. Issam Kelfaoui, de l'autre côté, était seul. Après, c'est sûr que techniquement, il faut aussi pouvoir réaliser le geste. Hein. Et voilà. Manger. Il est intenable, ce garçon. Je demandais justement aux deux coachs, est-ce que c'est le match de leur vie? Mais... demandais à ces deux garçons si c'était bien sûr le match de leur vie et les deux coachs me disaient non, c'est pas le match de leur vie, mais Mogé lui il a l'air de ne pas perdre une miette en tout cas de cette rencontre et il a bien raison, c'est pas tous les jours qu'on joue une finale de la Coupe Lorraine, vous le savez mon cher Gabi, parce que vous en avez perdu une en tant que joueur. Ah oui, et vous l'avez gagné en tant qu'entraîneur. J'ai eu la chance d'avoir ma première fille 3 jours après, ça a un peu atténué la déception. Et vous avez attendu combien de temps entre les deux événements? Ah ben de 76 à 2007. Il faut profiter de la vie, hein. Faut profiter de l'instant présent. Donc ça fait 24 et 7, 31 ans. Moi j'ai il est passé une fois, deux fois, trois fois.
peut-être une quatrième. Oh, il a été gourmand, mais il va aller chercher la faute. Mais Monsieur Grossman ne bronche pas. À juste titre, il lui demande de se relever. Non, mais il en a fait trop là. Et ouais, il y avait une possibilité à gauche. À mon avis, là, c'est... il n'a pas sifflé comme les entraîneurs ne sifflent pas durant des matchs d'entraînement. Eh oui, quand bien on sûr. Voit qu'un gars prend le ballon, il fait n'importe quoi. Et là, il a abusé. Et puis là, il va se prendre un jaune. Eh non, oui, parce qu'il parle. Loin, il, parle... Ah, il est au bord du jaune là. Ça finit avec le sourire hein, des deux côtés. Monsieur Grossman qui a l'air d'avoir de l'humour. Et en tout cas, qui cadre bien hein, cette finale. Qui se à mon joue avis, dans un excellent esprit. L'arbitre, il a eu un avis d'entraîneur. Vous avez qu'à lâcher le ballon plutôt. C'est exactement ça. Mais vous n'avez pas vu votre partenaire démarquer à gauche. Allez, c'est reparti pour Taon. L'entraîneur de Lunéville qui a gagné l'année dernière. Et exactement, il est avec nous, juste devant nous. Il va venir nous voir à la mi-temps, c'est promis. Voilà, il nous donnera son avis technique. Oh, attention à ce ballon dans la surface. Et Lunéville, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette Coupe de Lorraine cette saison? Ah, ils ont perdu un match. Alors finalement, ça a été la saison ratée par excellence parce qu'ils avaient un super effectif, meilleur que l'an passé. Et en DH, je les ai vus à Vemrange, une impression bœuf. Puis finalement, ils se sont fait supplanter par Formac. Ouais, et ils ont fini troisième, hein, c'est ça de, oui, bon, de leur groupe de DH. On va dire qu'ils étaient deuxième à la lutte avec Formac et puis que. Ils ont lâché prise les deux derniers matchs parce que c'était cuit, quoi. C'est fort, ils auraient pu viser deux montées successives. Non. Non, j'ai dit bêtise, excusez-moi. Oui, tout à fait. L'ascenseur descendu. Plutôt, ouais. Hein. 2 minutes de temps additionnel. Il y a eu 3 minutes de pause. On peut compter 5 minutes, hein, mon cher Gabi, si ça a été comptabilisé par l'arbitre, Monsieur Grossman. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Le chrono du stade n'a pas été arrêté, hein, la pause. Hein. Non, tout à fait. Non, donc il ne reste plus que 2 minutes à vivre ensemble, en tout cas pour la première période, ne vous inquiétez pas. Vu comme c'est parti, je sens qu'il va y avoir du suspense jusqu'au bout. Allez, on est côté gauche, avec Kim. Kim qui va essayer de se retourner. Il a trouvé Sagnier, il n'a pas de possibilité. Il rejoue avec Kim, malheureusement la transmission là pour le coup était un petit peu Ah, du côté des Messins, la circulation est moins sûre. Hein. Ouais. Gamberge un peu peut-être côté Messin, surtout on a du mal à se trouver sur cette pelouse de Marcel Picot. Non mais le schéma il est pour moi il est clair, hein. C'est possession taonnaise et contre Messin. Hein. Je crois que ça va être comme ça tout le match. Hein. On est toujours... En plus il y a Mogère par ses appels en profondeur ou sur la largeur qui aspire tous les ballons. Hein. Ce qui fait que finalement bon, on ne fait pas circuler le ballon dans le milieu, on cherche tout de suite le pivot. Hein. Alors est-ce qu'on va changer de formation au retour des vestiaires? C'était prévu hein, également du côté Messin, si jamais ça se passait mal du côté de Stéphane Ruggieri et Mustapha Malek. On peut très bien jouer, évoluer en 4-4-2 notamment, et 4-2-3-1, ça peut être d'autres possibilités. Là on est toujours en 4-1-4-1. Allez, la belle ouverture vers cet homme, Ventrella, qui vraiment a rythmé hein, cette première période. Oh là, le beau service, bien c'est bien joué, il va se présenter face au gardien, et quel arrêt Luzi Kama. En tout cas, grosse occasion. Hein. Qui a perdu son duel, mais là, c'est une des plus grosses occasions de cette première période, qui s'achève sur le coup de sifflet d'Emmanuel Grossman sur ce score d'un but partout. Et bien voilà, un but partout entre les deux équipes. On va quand même débriefer cette première période, mon cher Gabi, avant d'accueillir bien sûr le coach. Vainqueur l'an dernier, le coach de Lunéville. Gabi, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur cette première période? Grosse domination de la part des Taonnais. Mais c'est vrai que Metz s'est créé énormément d'occasions. Oui, j'étais un peu surpris par la qualité du jeu Taonnais. C'est une équipe faite de joueurs expérimentés qui ont tâté du haut niveau amateur et qui impose en tout cas son jeu. Bon, la PM est obligée de se contenter de contre, mais pour l'instant, ces contres étaient fulgurants. Ils auraient même pu permettre à la PM de mener 2-1, mais la mainmise est quand même taonnaise, c'est le moins qu'on puisse dire. On va bien sûr marquer une petite pause, mais juste avant, un coach vainqueur de la Coupe de Lorraine. Il n'y a pas que Gabi Dabli qui l'a gagné cette Coupe de Lorraine. Il y a également le coach de Lunéville qui nous rejoint justement ici sur ce plateau. On va bien sûr parler un petit peu de cette saison dont on a commencé à parler.
Bonjour coach, comment ça va? Bonjour, ça va. Un an après, on se retrouve, je vous remets votre petit casque. Un an après, on se retrouve. Qu'est-ce que ça fait justement de revenir pour une finale de Coupe de Lorraine, mais cette fois-ci en tribune? On préfère être sur le terrain. Bon, maintenant dans la tribune, on se rend compte que c'est pas facile. Moi, je me suis rendu compte cette année que le terrain était... Parce que j'ai déjà fait la finale ici il y a 2 ans. J'ai fait la finale avec vous à Metz l'an dernier. Mais il y a 2 ans, on l'a perdu ici. Et je m'étais un peu accroché avec les joueurs pour une histoire de crampons. Et je me rends compte que là, tout le monde glisse, quoi. Ah oui, c'est compliqué hein, sur ce synthétique. Vous m'aviez dit d'ailleurs l'année dernière que Marcel Picot s'était installé. Ici, on était remonté par Hervé Collot qui est là en bas et puis par le staff de Nancy et chaque fois on se faisait taper et ça a continué là en finale de Coupe de Lorraine et inversement, on a été gagné chez nos meilleurs ennemis messins. Exactement. Un petit mot sur la saison de Lunéville, on a parlé avec Gabi tout à l'heure. Vous êtes passé tout près de la remontée. Forbach malheureusement a eu le dernier mot. Qu'est-ce que vous gardez un petit peu comme image de cette saison? C'est une saison compliquée parce qu'on a eu beaucoup d'arrivées. Ça a été une saison pas facile à gérer. Et puis je pense qu'au moment où on est passé devant, à 3 journées de la fin, on n'a pas eu le mental et l'amour du maillot qui nous a permis 2 ans plus tôt de monter. Donc c'est une leçon pour le club. Et d'ailleurs, le club change d'orientation. On va refaire du Lunéville. Moi, je suis entraîneur là-haut depuis 12 ans maintenant. Et Lunéville n'a pas vocation à aller chercher des joueurs en région parisienne. Donc c'est pas un constat d'échec, mais on a fait quelque chose qu'on n'est pas bon pour faire ça. D'accord. Voilà, mais bon. On verra bien sûr l'année prochaine, vous êtes toujours le coach de Lunéville l'année prochaine, toujours, sans problème. Oui. Il y a un ancien de vos joueurs à qui vous avez gagné la coupe l'an dernier, qui est là, Anthony Beson. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa première mi-temps? Il fait une période comme on le connaissait chez nous, solide, un garçon bagarreur, un charmant garçon. Et j'espère de tout cœur qu'il puisse gagner une deuxième fois cette finale de suite. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu, un joueur 2 années de suite avec 2 clubs différents. C'est tout le mal que je lui souhaite. Et ce serait en tout cas une bonne chose. Juste avant de vous laisser tranquille et de se quitter, comment on fête une Coupe de Lorraine? Comment ça se passe une fois qu'on l'a gagnée? Comment on la fête? Ça dure combien de jours? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dure. Nous, la première année, on a vraiment fait la Java. Après, on a fait 3 finales en 4 ans. Donc c'est vrai que je dis pas qu'après on s'y habitue, mais quand ces deux équipes qui la font pour la première fois, je pense que la fête va valoir le déplacement. Et son pesant de cacahuètes. Oui, aussi. Merci beaucoup coach, je vous laisse retourner. Merci. En tribune, profiter et puis, au plaisir. Bien sûr de cette deuxième période et à l'année prochaine. J'espère, mais cette fois-ci de oui, mon sur côté. Terrain, promis, sur le d'accord. Terrain. Merci. On va continuer bien sûr avec les interviews, on va prendre un nouvel invité. Allez-y monsieur, je vous en prie. Monsieur le président de l'APM, bien entendu, Michel Gendron. Bonjour président. Je vous laisse bien sûr mettre le casque. Bonjour. Je vous mets bien le petit micro pour que tous les gens de Metz puissent vous entendre. Ouais, merci. Président, un petit mot déjà sur la saison des signes qui a été absolument incroyable puisque on a longtemps cru que ça allait mal se finir en DH. Et puis, vous êtes invaincu jusqu'à présent depuis le 1er mai. Si vous le dites, ça doit être vrai, mais je sais que sur les 6 derniers matchs, on l'est effectivement, puisqu'on a fini en trompe par se sauver grâce à 4 victoires et 2 nuls, je crois, sur les 6 derniers matchs, 14 points sur 18. C'était à peu près inespéré. La surprise, est-ce que vous n'êtes pas un peu surpris que Taon aujourd'hui ait amené son équipe B et qu'il n'y ait pas eu de joueurs descendus de la CFA? Vous y attendiez ça? Non, je pense quand même qu'il doit y avoir un ou deux joueurs. Le président de Taon m'a dit qu'il n'avait pas fait jouer des joueurs qui avaient participé aux 2 derniers matchs de CFA 2, mais il y en a sans doute un ou deux avant. Mais peu importe aujourd'hui qui est sur le terrain, l'intérêt c'est de jouer un match de football avec du beau temps, du public, dans un grand stade. C'est vraiment une bonne fête. Quoi. Comment vous avez trouvé vos joueurs sur cette première période? Je sais que vous posiez beaucoup de questions, notamment au niveau de la fraîcheur des joueurs. Oui, effectivement, ils sont un peu fatigués par la fin de saison, mais je pense que Taon, c'est un peu le cas aussi. Aujourd'hui, il fait chaud. Ils ne sont pas très habitués à la pelouse qui est un peu glissante. Ouais. Là. Mais bon, c'est pour les deux équipes pareil. Ce soir, je sais que la superstition entoure le milieu du football, les présidents, les entraîneurs, les joueurs. C'est quoi la fête qui est prévue
si jamais la PM venait à remporter cette Coupe de Lorraine. Bah, de toute façon, on a une fête qui est prévue, quel que soit le résultat, parce que c'est la fin de saison. On est content de terminer toujours sur une petite fête. On fait dans notre stade un barbecue géant pour tous les joueurs seniors, y compris ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, et puis les dirigeants et les parents. On rappelle, 525 licenciés, c'est bien ça, hein? Oui, 524 aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est le plus gros club de Lorraine, tout simplement? Peut-être, je ne sais pas, je pense, oui, mais ce n'est pas un objectif en soi. Simplement, c'est que les gens viennent chez nous, les jeunes viennent chez nous. On a un club urbain avec des éducateurs de qualité dans toutes les catégories. Donc, on attire naturellement et maintenant, c'est les infrastructures qui nous limitent. Dans l'accueil des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir, à part la santé ? Oh bah écoutez, au niveau du football et du club, que l'association vive bien, que tout le monde y trouve du plaisir, pas seulement dans le football, mais dans le plaisir de se retrouver autour du stade, au club house, pour les fêtes, les tournois. Et puis, c'est un morceau de vie de chacun, hein, le football. Hein, c'est à côté du travail, de l'école, il y a le football et ce qu'il y a autour. Donc voilà, que ça marche bien, tout le monde... un de nos points forts, c'est la convivialité, donc on veut la continuer. Et ben voilà, c'est en toute convivialité en tout cas que je vais vous laisser regagner votre siège. Bon merci. Courage, bonne merci. Chance merci. Pour cette deuxième période. Voilà, on va peut-être marquer une petite pause. Il n'y a pas d'autres réactions. Et ben écoutez, l'occasion pour nous peut-être de boire un petit coup d'eau parce qu'il fait vraiment, vraiment chaud. Gabi Dalvi est parti, mais c'est bien de l'eau qu'il va boire. On se retrouve dans la deuxième période pour un spectacle magnifique. Un partout entre la PM Metz et le S. Taon.
De retour ici au stade Marcel Picot à Nancy, où on va assister bien sûr à une deuxième mi-temps de rêve avec vous, mon cher Gabi. On rappelle le score, un partout entre l'APM Metz et l'ES Taon. Ouverture du score de Metz, on va le rappeler, c'est par Mogé. C'était en tout début de match, et puis égalisation presque dans la foulée sur pénalty par Ventrella. On a vu Taon qui a eu beaucoup de cartouches, en tout cas qui a bien dominé dans le jeu. Il y a eu de belles occasions également du côté Messine. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Metz ne subisse pas trop justement l'avalanche taonaise? Il me semble que les Messins perdent trop vite le ballon lorsqu'ils le récupèrent. Alors ça peut être très dangereux parce qu'ils ont eu quand même des occasions nettes dans l'ouverture du score, plus une transversale, plus encore une grosse occasion de Mogère. À côté de ça, la possession était taonaise. Bon, ils ont eu, je dirais, un tout petit peu plus de situations favorables, des occasions moins nettes quand même que les Messins. Alors, est-ce que on repart sur cette option-là? Mais là, c'est pas très économe comme jeu, parce que partir de faire des contres de 70 mètres, vous avez de la buée devant les yeux quand vous arrivez devant le gardien. Ventrella, lui, il a fait une super première période et il prend sa chance. Il y a eu un changement dans cette mi-temps, c'est côté taonais, avec l'entrée de Mohamed Odem. J'essaye de voir actuellement justement qui Mohamed Odem a pu remplacer. Il me semble que c'est le numéro 3 qui a cédé sa place, à savoir Emmanuel Bicky. Voilà, qui jouait notamment Emmanuel Bicky devant, en sentinelle devant la défense. Peut-être une solution un peu plus offensive, en tout cas du côté taonais. Ventrella, on a joué le corner à la Rémoise, il va prendre sa chance sur le centre. Ça va revenir à l'entrée de la surface, attention à ne pas vous gêner, vous êtes deux messieurs. Et un contre un là. Ouais, faut pas se louper, surtout avec ce diable de Mogé. Il a déjà gagné sur le but, il a gagné à deux contre un. C'est-à-dire qu'il était seul contre deux défenseurs. Ah lui, faut pas lui laisser un centimètre. Il vous prend le bras direct. Ventrella, toujours côté droit. Le jeu taonais qui penche. Oula, c'est bien joué justement sur le côté de ce garçon. On va pouvoir centrer. C'est peut-être un petit peu fort. Non, c'était bien dosé. Ça a été dégagé de la tête par les Messins. Et Taon, en tout cas, qui est revenu dans cette deuxième période, Gabi, avec. C'est toujours la même chose. La mainmise est toujours taonaise. Le voilà, Odem, Mohamed Odem. Et j'ai l'impression justement que Kabanda a un petit peu baissé d'un cran avec l'entrée de Mohamed Odem. Le centre, il est fort. Odem, il va essayer de récupérer le ballon et il va le laisser filer en touche directement. On a parlé du parcours de l'APM Metz. Et vous me le disiez en antenne, mon cher Gabi, qui s'est sauvé grâce à un match nul 0-0. Le week-end dernier, le président Gendron qui avait pris le parti justement de jouer le championnat et la coupe de jouer les deux de front. Et ça lui a réussi. Lui, l'idée, c'était de garder tout le monde sous pression. Et il pense que justement, ils se sont sauvés grâce à cet effet coupe. C'est toujours un gros dilemme. Oh ben, moi, j'étais d'avis de jouer tous les matchs. Ouais. On peut pas tricher au foot. En plus, moi, je suis de la région de la vallée de la Fench. C'est de là qu'est parti le challenge de Vadel. C'est un peu les origines de la Coupe de Lorraine. Et je peux vous dire que ça se jouait toujours à Hayange. J'ai même vu un jour Hayange FCMS amateur. Il y avait bien 5600 spectateurs au stade Guy de Vadel. Donc c'était à l'époque où tout appartenait au de Vadel. Et là, ça devait faire un beau chaudron, là. Alors, moi, j'en ai gardé un peu cette image dans ma tête d'enfant. Et j'arrivais pas, en tant qu'entraîneur, à dire, Coupe de Lorraine, tant pis. Lâchez tout. Je sais qu'il y a des entraîneurs, Titi Dorgé, par exemple, il disait carrément... on s'en fout. La Coupe de Lorraine, c'est juste pour prendre des expulsés, des cartons. Nous saluons Emmanuel Salin, notre patron. Exactement. Exactement, en première mi-temps on a salué David Théophile, le patron du Visiofoot, et là Emmanuel Salin, le responsable développement de la Ligue, et à l'origine également bien sûr de ce dispositif de direct pour cette Coupe de Lorraine. Et on peut dire que c'est réellement une réussite. Honnêtement, on a vu du spectacle aujourd'hui, c'est pas fini puisqu'il nous reste une deuxième mi-temps à vivre, que les deux équipes sont dos à dos, un partout pour le moment. Là, ça commence quand même sur un fou rythme. Ouais. Et il y a toujours ce même problème de la part des Messins de garder le ballon
dans la moitié de terrain taonaise. Ah, ils ont peu de possibilités depuis le début de ce match, hein, sur porteur de ballon. Regardez, en plus les transmissions sont un petit peu imprécises. Et ça va repartir. Là, côté taonais, vous allez voir, ça va aller à 200 à l'heure. Notamment avec cet homme. C'était tout simplement le numéro 5, Freno. Allez, peut-être une bonne occasion avec Di Rosa. C'est pas mal. Oh, c'est bien joué ça. Il a trouvé Mogé qui va rentrer dans la surface, qui va centrer, qui reprend. Oh, c'était bien joué tout ça. C'était Versanier. Allez, peut-être une deuxième chance. On va essayer de passer par la gauche. Un joueur de Taon qui reste au sol. Il s'est relevé. Oh, le festival, c'est incroyable. Il ouvre le pied. Di Rosa. Festival de Di Rosa. Eh oui, c'est ce que je vous ai dit. Là, maintenant, avec la fatigue, les défenseurs défendent moins bien. Et ces dribbles chaloupés vont peut-être faire des misères, là. Il a manqué la lucidité dans le dernier geste. Et pourtant, il avait bien ouvert son pied. Et il pouvait avancer encore. Hein. Eh oui, il y a peut-être une opportunité à fixer, notamment Thomas de Novillier. Alors, le gros problème de Taon, hein, c'est quand même... manque un peu de vivacité de la charnière centrale. Hein. On l'a vu déjà sur l'ouverture du score. Là, c'est passé un peu comme dans du beurre. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et c'est vrai qu'on parle beaucoup du travail de Damien Mogé sur le front de l'attaque messine, mais c'est aussi également une belle explication, cette charnière un peu lourde. Voilà, on va le dire comme ça. Et alors là, c'est Damien Mogé a fait une super passe en retrait. Là. Ouais. Comme quoi, il a dû se faire un petit peu souffler dans les bronches, à mon avis, à mi-temps. Recadré Damien Mogé par Stéphane Ruggieri et Mustapha Malek. Allez, il y a un bon coup franc pour Taon. Il va être tiré par Clément Parisot. Oh, c'est dans la boîte, attention. Et ça va filer directement dans les bras de Nicolas Bécus. Rien à dire, hein, pour le moment sur le match des deux gardiens. Absolument impeccable, propre. Ouais, ouais. Pas d'erreur. Toujours le bon placement. Oh, attention à cette remise de la tête. Hop. Vous l'avez dit, hein, ça peut être le point faible de cette équipe taonaise, cette charnière. Ouh, elle est pas mal. Anthony Beson notamment. Oh, attention. J'ai cru qu'il allait partir au but tout seul. Massa fait quand même du bien derrière. Ouais. Ah, lui aussi, il fait un match impeccable. Allez, le nouveau centre à venir. Ouh. À Ratsol. Et c'est encore lui, Massin, qui vient sauver les siens. Manque de communication parce que le gardien l'avait là. Bon, enfin, elle est toujours dans les pieds, mais ça. Vaut mieux s'assurer. Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir. J'ai déjà vu Kim plus perforant qu'aujourd'hui. Oui, hein. C'est vrai qu'on attendait beaucoup, lui, sur son côté notamment. Oh, le bon sort de Sagné, c'était à destination de Mogé. Mais ça ne donnera rien, sans souci en tout cas, pour l'ami Thomas de Novillers. Les deux équipes, hein, très fatiguées, on l'a dit, qui ont une saison vraiment, vraiment, vraiment très chargée. On risque de voir le rythme au fur et à mesure de ce match un petit peu baisser en intensité. Hein. Ouais, ce serait logique, mais après, il y a le cœur. Et le cœur... Le cœur et la technique taonaise aussi. Hein. Oui. À l'exemple, Luzigama. Regardez. Ça, c'est une bonne remise. Oh, c'est bien joué, ça se joue en triangle. Mais l'enjeu, oui. Tout à fait. C'était mauvais appel d'ailleurs. Il fait un appel en profondeur, il ne peut être qu'hors jeu là. Ouais. Et peut-être qu'il aurait dû prendre les gauches sur le côté gauche, c'était parfait. Hein. Ouais. Peut-être que Mohamed Odem. D'ailleurs, il y a une bonne rentrée. Ouais, du Odem là, le 14. Ah oui, il fait mal lui. Hein. Ouais. Ah, il a les jambes, il a les cannes. Il a mis du turbo. Il a remis du coco dans la machine et ça va aller. J'ai un petit mot sur le coach Stéphane Ruggieri, 39 ans. Lui, bien sûr, d'origine italienne, ça vous aura pas échappé au travers de son nom. D'ailleurs, il y a beaucoup une grande colonie. D'Italien qui a immigré notamment dans cette belle région de l'est de la France. Ben, le consultant, il est un peu italien. Hein. Ouais, c'est vrai. Tyrolien aussi. Hein. Ouais. Alors, moi, je suis de la vague d'immigration 1920-1925. Alors que là, il y a eu une vague d'immigration après la Deuxième Guerre mondiale. C'est plutôt l'Italie du Sud. Exactement. Et vous voyez, on peut parler de foot et on peut parler également de choses un petit peu plus sérieuses. Alors Stéphane Ruggieri, lui, bon, c'est un grand amateur de musique italienne. Ça, je suis allé voir parce que je l'ai piégé sur son Facebook, en fait. Voilà. D'accord. Et c'est surtout un grand fan de Paolo Maldini. Ah, d'accord. Oh, ben, il a des idoles respectables. Oui. Il a pas fait de mauvais choix. Un petit mot également, puisqu'on a parlé de Stéphane Ruggieri. Parlons également de Julien Kiffer, ancien joueur de CFA2, formé à Épinal jusqu'en 98. Il a quitté Épinal suite au dépôt de bilan, arrivé ensuite à Taon.
C'est sa deuxième année de coach et il a arrêté sa carrière il y a 2 ans, tout simplement. Il jouait à Taron. Julien Kimper, 33 ans, jeune coach. Hein. Alors moi, j'ai joué dans mes débuts d'entraîneur contre Julien Kimper quand il était joueur-entraîneur responsable de l'équipe 2 d'Épinal. D'accord. Alors vous voyez que ça voyage un peu dans le oui, secteur. Oui, exactement. Ouais. Milieu défensif. Il est responsable. Il est responsable de la formation seconde, première, terminale dans les lycées d'Épinal. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison de le préciser. Je dirais le système football enseignement, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est le coach de Lunéville qu'on a eu tout à l'heure, il n'est pas enseignant également? Ah, ça, je pourrais pas vous dire. Il me semble qu'on avait raconté cette histoire l'année dernière. Je vais partir dans mon disque dur, ma boîte, ma tête, tout simplement. Hein, on va pas se faciliter un petit peu les choses. Une autre histoire très intéressante au sujet de la PMS, c'est, je vous le disais, le club organise un tournoi international pupille réunissant de grands clubs. Il y a l'Ajax, Barcelone, l'Inter, et Jordi Cruyff était venu avec Johan Cruyff. Ah, d'accord. Jordi, le fils, hein, bien sûr, de Johan. Oui, oui. Ils étaient venus disputer ce tournoi. Il y a également un autre Lorrain, monsieur Robert Pires, qui avait disputé ce fameux tournoi pupille de la PMS. Et puis Taron, qui fait un gros parcours en Coupe de Lorraine cette année, mais qui s'était offert, on se rappelle, un 32e de finale en 2000-2001 contre l'Olympique de Marseille. Malheureusement, ça s'était fini sur une défaite 4-0. Mm-hmm. Mais ça avait été la fête du côté de Taron. Vous parlez de Robert Pires, je peux vous dire que lorsque j'étais entraîneur de DH, j'avais été voir un futur adversaire, à savoir Merlebach et FCMSB, qui était la troisième équipe à l'époque du FCMS. J'avais vu un joueur exceptionnel dans le milieu, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a une... Qui c'est ce mec? Qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Et c'était Robert Pires. Bon, il n'est pas resté longtemps en DH. Non. J'imagine. Quand on a un garçon comme ça avec de la pépite, de l'or entre les pieds, est-ce que vous lui avez recommandé de muscler un peu le jeu, Gabi? Allez, Metz qui sort un petit peu, notamment avec Kim qui a trouvé... Et qui va redoubler, on va retrouver Kim à l'entrée de la surface. C'est... Il a mis le coup d'accélérateur, c'était pas mal. La remise de la poitrine, très serein. Ah, il y a du métier là. Ouais, oui. On en parlait justement de cette Mais au charnière. Niveau de la possession, ça s'équilibre quand même. Hein. Ouais. Sauf que ça s'époumonne du côté des anciens. Et puis surtout, on a livré beaucoup de force dans la bataille. C'est vrai qu'ils ont été mal récompensés, hein, les Taonais, sur la première mi-temps. Mais c'est le football, hein. Il faut concrétiser, surtout si on veut gagner, et encore plus en finale de coupe. Allez, ce bon ballon pour Metz avec Sagnier. On va repartir à droite avec Damien Mauger, qui est un petit peu dézonné. Ah ouais, contre deux c'était compliqué. Bon, on comprend, hein, c'est une finale de coupe de Lorraine, mais... Oula. Oh là, le mauvais geste. Le mauvais geste, et on demande de jouer du côté de Monsieur Grossman. Je pense qu'il est une oreillette, Monsieur Grossman, et... Quand j'ai dit que c'était une gâchette... Pas mal ça. Ouais, il est pas en jeu. Il est pas en jeu ce garçon, rentré là. Là. Il est capable de tout lui. Hein. Oh là, il est passé. Hop, le bon centre. Et Massin. Et Luzikama, qui n'a pas pu capter ce ballon. On a l'impression que ça se tend. Gros match de Massin. Oh là là, ouais. Ce qu'on peut dire, il tient la boutique. Hein. Ah ouais, lui, assurance tout risque. Hein. Le garçon. Ouh là, ça commence à s'époumonner là, dans le milieu, là. Sagné, ça va plus défendre. Ça va plus défendre. Il faut appeler le SAMU là. Va falloir donner du souffle. Lui, il en a du souffle, justement, Mohamed Odem. Ah. Ouais. Malheureusement, il a dû confondre Massin et un de ses coéquipiers. Ah, c'est une affaire de famille là, le milieu de terrain, mais ça. Ouais. Sagné. De Sagné. Il n'y a pas deux Di Rosa également dans cette équipe? Non. Il y a deux Mauger. Deux Mauger, exactement. Damien et Florent. Oh, la frappe, il va allumer, c'est bien joué. Voilà, il faut aussi passer par ces temps de jeu-là. Et Damien Mauger le sait, il a pris sa chance, on l'a dit gourmand. Là, pour le coup, ça valait le coup. Non, Gabi? Oui. Je pensais que vous alliez me dire non, il fallait décaler à gauche. J'étais en train de regarder le placement défensif, là. Là, on est resté quand même quatre à plat des deux côtés. Alors, il y a un joueur qui va faire son entrée en jeu. Avant de vous dire son nom, je vais vous dire la musique qu'il aime. C'est, je pense, hein. Je ne vais pas demander, on lui demandera à la fin du match. À mon avis, c'est un grand fan de reggaeton, tout ce style de musique. Vous allez le voir entrer dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi.
Il sera peut-être à Lille sur le terrain demain soir. Eh, peut-être. Tout dépend si, si Metz l'emporte ce soir. Ah oui. Allez, Mogé, qui s'est bien appuyé avec son coéquipier. Il y a un bel appel à droite, notamment du côté. Oui. Voilà, c'est bien joué. La frappe, aïe, 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 le centre tir. Hein. C'était davantage de la part de Di Rosa. Il y avait un bon coup à jouer. Ça va revenir dans les pieds de Kim. Hop là. Kim, ouais, qui va subir la faute. Signalé par Monsieur Grossman, à juste titre d'ailleurs. Et là voilà le changement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc notre amateur de reggae, j'imagine, Julien Pignet. Et c'est Dreadlocks. On a les mêmes idées, Mousse et moi. Parlez-nous un petit peu de ce joueur. Ah, j'ai grosse santé. Ouais. J'ai déjà vu jouer très peu de fioritures. C'est une santé. Il a un gros gabarit. Kim, il pensait que. Il est en train de dire à l'entraîneur je termine mieux que je ne commence. Laissez-moi 5 minutes, coach, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Eh, Kim, il n'est pas content. Il est déçu. La petite tape sur les fesses, ça ira mieux après. Et là, voilà, la rentrée donc, de Damien Mauss. Ça m'est pénible et je peux vous dire que ça leur est pénible aux deux entraîneurs. Ah, ça, c'est sûr. Oula, attention, ce coup franc dans la boîte. Bien boxé par Denis Villers. Hop là. Attention, Zigama qui était venu défendre et jouer ce ballon. Il va le récupérer justement. Il va ouvrir côté droit. C'est bien joué parce que Ventrala, il a du champ. Ouf. Il a eu un petit peu peur d'intervention, je crois, de Florian Collin. Ils sont bien repris quand même, Collin. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est vrai qu'il avait commencé ce match de façon assez difficile hein, en provoquant le pénalty. Il a un jaune également, ce qui n'est pas facile à gérer. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Gabi. Il n'a pas eu trop de chance là. Mais bon, je le vois quand même plonger avec le coude écarté. Ouais, hein. C'est vrai, c'est toujours dans. C'est le geste d'ailleurs qu'a montré l'arbitre. Donc dès que vous augmentez la surface, obligatoirement maintenant c'est pénalty. Hein. Ah bah oui, là. Et là, il y a volonté hein, quand même d'aller au ballon avec le bras. Et puis. Il n'y a aucune contestation possible. Regardez le travail de ce garçon, Damien Mogé, dans le duel. Lui aussi, c'est un taquin dans le genre. Un autre changement du côté de Taon avec la sortie de Luzikama, Bachir Luzikama, qui a fait pourtant un bon match. C'est vrai qu'il a eu du mal à concrétiser, Luzikama. Et il va laisser sa place à Rachid Wabi. Lui aussi, un joli coupe de cheveux. On parlait tout à l'heure. Des filles et de leur bandeau assorti aux chaussettes. Côté masculin, la coupe de cheveux est bien sûr très importante. Et voilà la rentrée, on vous le disait, de Rachid Wabi. On vient de dépasser l'heure de jeu, l'intensité est redescendue, le suspense est des plus importants. Et là sur le banc taonais, c'est assez rigolo, puisque c'est... C'est pas Julien Kipfer qui donne ses consignes, mais les assistants. Julien Kipfer, il est rentré dans sa guitoune. C'est bien aussi d'alterner les consignes et les voix. Ah, mais vous, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est là en Champions League. L'entraîneur principal programme le changement, mais qui donne les consignes, c'est toujours l'adjoint. Il vient avec un tableau, tac, 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 tu fais ci, tu fais ça. Et l'entraîneur principal ne s'en occupe plus. Hein. Ouais, complètement. Et vous faites bien de le dire, puisqu'on l'a vu notamment lors du Real Atlético avec un Zinedine Zidane plutôt actif sur le bord du terrain en fin de match, alors que Carlo Ancelotti était un peu plus statique. Ah, c'est dommage, ce ballon perdu par les Taonais et par Romain Frénaud, qui laisse cette balle sortir de l'aire de jeu. Ça va donner un bon ballon de relance hein, pour les Messins. Match qui s'équilibre de plus en plus. Alors ce qui est vrai, les deux coachs nous ont avoué qu'il y a eu un bon travail d'observation, comme quoi on peut aussi superviser, même s'il y a 200 à 300 km d'écart entre les deux villes. Moins que ça quand même. Moins que ça quand même. Épinal, Metz, plutôt 120. Hein. 120, bon allez, on va partir là-dessus. Et encore, je trouve que c'est beaucoup. Nancy Épinal, je crois que c'est 57. D'accord. Ah, c'est vous le boss de la géographie, Lorraine. Moi, je vous avouerai que passer le périph'. Donc après Metz-Nancy à 50. Coup.
Donc ouais. On est entre 100 et 110, je crois. Et Taon, c'est avant Épinal. C'est ouais, même donc 15 km avant, donc il y a moins de 100 km. Mais ça fait rien, le mérite est grand. Hein, tout à fait. D'aller visionner l'équipe B, faut le faire. Hein. Ouais, complètement. Mais bon, ils ont dû aller voir la demi-finale. Je pense que ça doit être ça. Ils se sont facilités. Malgré tout, c'était dans les Vosges. Du côté taonais, une petite statistique intéressante. Si on encaisse le premier but, seulement 2 victoires et 15 défaites. Voilà. Donc à 12% des cas, on l'emporte au final. Et attention, parce que Taon a la période dans un match depuis le début de cette saison où Taon a le plus encaissé de buts, c'est dans le dernier quart d'heure, ils ont encaissé 12 buts. Ah. Voilà. Les vieilles jambes fatiguent. Eh oui. On est plus tout jeune, hein. Allez, le dégagement pour notre ami Nicolas Bécus, le gardien de la PMS. On a bien sûr une pensée pour les deux autres gardiens blessés, Mer et Svistek, qui sont en tribune. On les a vus tout à l'heure, j'ai cru les voir en tout cas. Ils y sont, c'est sûr. Et on sent que la tension commence à prendre un petit peu le stade Marcel Picot, parce que il y a une sorte de silence qui est en train d'envahir les travées. Ça en dit long. Et à chaque contact, on conteste. Il a coupé un avantage, là, monsieur l'arbitre. On va pas lui reprocher pour le moment. Il est vraiment impeccable. Oui. 1h10 sous le soleil. Hein. Oui, ça tape. Au bout d'un moment, ça tape. Mais l'ombre gagne du terrain. Et j'aurais dû prendre les paris avec vous, mon cher Gabi, tout à l'heure. Alors, c'est normal, hein. Il y a derrière le but, maintenant, les 16 mètres sont à l'ombre. Ça y est. Ce qui va pas être un avantage pour... le gardien de Metz, qui lui, pour le coup, a le soleil en pleine poire. Allez, on va dégager comme on peut. Oui, donc ils ont fait passer l'arrière latéral droit, Kelfaoui, dans un rôle plus offensif. Et comment il s'appelle, c'est Ogier, je crois. Non, Pigné joue arrière latéral droit. Petit remaniement. Moi je l'ai déjà vu jouer stopper arrière latéral, assez rugueux, mais une grosse santé. Vous pouvez bien sûr, je vous rappelle, hein, commenter ce match avec nous, avec Gabi Dalvi, mon consultant aujourd'hui, et vous poser des questions, réagir en direct. Ça se passe sur Twitter, le hashtag Coupe Lorraine. Et des nouvelles, tiens, de Roland Garros, plus de 3 heures de match, victoire de Sharapova, mauvais pronostiqueur Gabi. Voilà, ça c'est l'attaque de notre ami Renard Tapie. Renard Tapie qui nous explique qu'il est parti faire du golf. Voilà, on peut être multisport. D'accord. C'est ça la magie du sport. Allez, ce bon ballon, attention, toujours un petit peu piège pour des défenseurs. Ouh, on se dégage en catastrophe, mais Ventrella, lui, il postule pour le titre de MVP. Attention, il avait plus ou moins lobé Nicolas Bécus, et ils vont récupérer même le corner, les Taonais. Regardez-le, Nicolas Bécus, qui replace sa défense. Après le corner, je crois qu'il va siffler la mi-temps de la mi-temps. Ouais, tout à Ou fait. Ou alors... Dans 3 minutes, normalement, on risque d'aller boire un petit coup Même avant, hein, parce qu'on est à 22, il reste 22-30 là. Ouais. Même moins maintenant. Enfin, ça change tout le temps. Hein. Cabanda. Pour le coup de pied de coin, le numéro 10, formé à l'AS Nancy Lorraine, de retour à Marcel Picot, sous les couleurs de Taon. Cherché loin dans la surface, il y avait 3 joueurs messins qui se sont interposés à cette montée, notamment de Mathias Fauchard. Non, Fauchard, il est là, c'était Romain Fresneau qui montait tout à l'heure. On va s'appuyer sur le gardien, sans doute pour une relance, un ballon long. Non, remise courte, hein. C'est assez étonnant pour des équipes justement de ce niveau-là. Et c'est agréablement surprenant. L'accent est mis vraiment sur la construction. Notamment moi, j'ai l'impression quand même que l'APM a pris une option un peu plus défensive. Oui. Du côté APM, c'est vrai que le bloc a beaucoup reculé. On a sorti quand même un attaquant pour faire rentrer un défenseur. Hein. Oh, l'intervalle, elle est bien trouvée avec le centre à venir. Attention, la bonne tête. Ça passe à côté. Mohamed Odem, intenable depuis sa rentrée à la mi-temps. Mohamed Odem, en tout cas, là encore, il avait une bonne opportunité. Malheureusement, il n'a pas cadré. Attention, hein, dans une finale, il faut concrétiser, sous peine de se mettre en danger. Là, il y a un garçon, par contre, qui a donné son corps à la science.
Et à l'APM. Et à l'APM surtout. Eh ouais, c'est notre ami Julien Pignet. La pause. Vous l'aviez dit. Et la pause, ça va lui faire du bien à l'ami Julien Pignet, qui a pris un coup dans la bouche, a l'air d'aller, tout va bien. Son gardien l'a relevé, Nicolas Bécus. Alors vous le savez, puisque si vous êtes avec nous depuis 14h30, puisque ça a commencé avec une retransmission de la finale féminine et une victoire de Algrange, 1-0 contre l'AS Nancy-Lorraine. Et bien, vous le savez, il y a toujours une petite pause à la mi-temps de la mi-temps pour aller boire un coup parce qu'il fait chaud. Il fait très chaud, près de 30 degrés. L'ambiance est en train de monter d'un cran, en tout cas à l'approche des 20 dernières minutes. Gabi, quel est votre sentiment sur cette fin de match, sur les 20 dernières minutes qui nous attendent? Est-ce que... J'avais l'impression que l'APM était parti sur de nouvelles bases, avec presque en arrivant à l'équilibre de la possession. Et puis là, maintenant, ça fait 5-10 minutes, surtout du côté de Ventrella. Là. Bon, ils ont fait rentrer Odem sur le côté gauche, là. C'est quand même assez embêtant pour l'APM. Oui. Et j'ai l'impression quand même que les situations dangereuses se multiplient surtout dans les 6 mètres messins. Donc, est-ce qu'on va vers une concrétisation vosgienne? C'est plutôt un peu l'impression que j'ai. Maintenant, Taron avait bien commencé et Mogère avait marqué. Ouais, comme quoi on peut rien prévoir dans le foot. Je vous ai donné le sale rôle, celui de Madame Irma. Toutes mes excuses pour cher Gabi. C'est vrai que ce duo, hein, Odem-Ventrella, c'est peut-être la combinaison gagnante hein, pour essayer de planter une dernière banderie avant la 90e minute et le coup de sifflet final de Monsieur Grossman. En tout cas, on va repartir pour 20 minutes. Et c'est parti s'échauffer hein, du côté de Metz. On n'a pas utilisé encore tous les changements, il en reste deux, il me semble. Du côté de Taron, il en reste. Je ne sais pas s'il en reste pas un seul. Oui, un seul, hein, ça c'est ouais, sûr. Hein. Un seul. Je me disais même que. Même peut-être aucun, c'est à ça que je pensais. Là, il y a le 12 qui est rentré, le 14. Hein. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est tout. Donc il y a encore une place. Il y a encore une bon, place. Bon, il y a 2 minutes d'arrêt, hein. On le saura. Voilà, exactement, c'est ça. Il faut compter là-dessus en tout cas. On a appris quelle était la demi-pause, la durée de la demi-pause. Et oui, voilà, c'est ça, il reste un changement du côté taonnais et il en reste deux du côté messin. Et on va procéder au deuxième changement côté messin avec l'entrée dans quelques instants de Fawzi Mehada. Allez, on réclame le ballon côté gauche les taonnais. Avec des grands mouvements de Romain Fresneau. On va y arriver petit à petit à ce côté gauche. On va temporiser, on va essayer de garder cette possession de balle épuisée. C'est Messin qui court depuis le ballon, hein, depuis de nombreuses minutes. Et là, toujours là maintenant, un but ferait du mal à l'équipe qui le prend. Hein. Ah ouais, là c'est terrible. Pour les 20 dernières minutes, même le dernier chaleur, quart d'heure. La fatigue, c'est vrai qu'il y a un peu d'ombre, mais quand même. Hein. Ah oui, là, faut être du bon côté. Allez, la remise en touche. Mais on peut aller aux prolongations. Ah ben nous ça nous dérange pas, on passe une bonne après-midi. Hein. Il nous reste des forces, nous on est à l'ombre en plus. Il y a un petit filet d'air. Ah, on est ventilé. Là, ouais, on est ventilé, c'est bien. C'est bien, clim naturel. Là voilà le changement dont je vous parlais avec la sortie de Théo Di Rosa. Je sais pas si... Là on sent encore une fois un attaquant. Hein. Ouais tout à fait, la rentrée de Fawzi Mehada. Eh, Di Rosa, c'est vrai que techniquement on l'avait vu très à l'aise hein, sur le début de match. Il a loupé la balle de 2-1 quand même. Et il a loupé la balle de 2-1. Bon, après un exploit personnel, mais il a manqué quand même de lucidité dans le dernier geste. Et on va même assister au dernier changement du côté messin avec l'entrée de Dogan Soilou. Alors lui, je le connais parce que il était dans notre club pour FC Thionville. Donc je suis content de le voir en finale dans les rangs de l'APM. Parlez-nous du profil justement de ce garçon, qu'est-ce que va essayer de c'est faire un, c'est un gaucher, là. C'est un gaucher plutôt excentré. Alors là il remplace Sagné, alors est-ce qu'il va jouer milieu de terrain? J'ai l'impression qu'il va jouer milieu de terrain, il aurait plutôt une tendance offensive. Hein. D'accord, donc poste pour poste mais avec un profil un peu plus punch. Voilà, et gaucher. Eh bien écoutez, on va alors voir. Je vois que Sagné, l'autre Sagné, voilà, il lui dit va de l'autre côté. À voilà. Droite. Donc, non, non, à gauche. À droite pour les Vosgiens. Allez, justement, les Vosgiens, c'est eux qui vont mettre le pied sur ce ballon.
Imaginez un peu la dernière victoire vosgienne, on vous le disait en début de retransmission, c'est Saint-Dié en 2004, il y a tout pile 10 ans. Taon, la dernière finale, c'était en 96. Et pour l'APM Metz, le meilleur résultat en Coupe de Lorraine qu'ils avaient réalisé avant cet exercice 2013-2014, c'est un quart de finale. Donc là, pour le moment, c'est... Ils ont déjà battu tous les records, alors. Ah, ils ont battu tous les records. Là, c'est bon. Quoi qu'il arrive, c'est la fête, il nous l'a dit, le président. Bien joué, ça. Allez, ça va revenir. Ouh, en pleine poire. Encore une fois, le corps à la science pour Clément. Pour Pierre Jantet. Pierre Jantet aussi, hein, qui a fait un match de l'ombre, a beaucoup couru. Bien je aidé. Vous donne une info quand même. Manu, c'est... il y aura un changement d'entraîneur. C'est Eric Brusco qui va prendre. D'accord. Voilà. Donc qui était à Thionville FC. Hein. D'accord. Et du côté de... De l'APM. De l'APM, d'accord. Donc ce serait le dernier match de Stéphane Ruggieri. Voilà. Ou alors il reste au club. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, mais en tant qu'en tout cas entraîneur... En plus, Stéphane Ruggieri a le... Oui, le DEPF. Non, pas le DEPF quand même, non, le non. DF. Le DEF. Oui. Et donc ça lui permet de mettre en règle le club de l'APM qui joue en DH. Puisqu'il y a obligation d'avoir un DEF lorsque vous êtes à ce niveau-là. Il a obtenu son DEF notamment la saison dernière, ouais. Si je ne me trompe pas, Claire Fontaine. Fait une longue carrière d'éducateur de jeunes à Amnéville, Stéphane Ruggieri. Allez, Taon qui a le pied sur le ballon. Clément Parisot notamment, qui cherche et qui ouvre. Côté gauche avec Mohamed Odem. Allez, il y a une solution à gauche. Il l'a vu, il va décaler Romain Fresneau. Romain Fresneau qui va revenir sur ses pas. On s'appuie à nouveau sur Odem. Odem qui va centrer, il y a du monde. Et une faute. Et, ouais, et je vais vous dire, Nicolas Bécus, même si l'action était arrêtée, lui, focus sur le match. Hein. Il n'a rien à se reprocher sur ce match, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Le match parfait. Le match parfait, même chose hein, du côté de Thomas Denovillère. Ah, c'est peut-être eux qui ont la clé, hein. C'est peut-être les gardiens qui vont décider du sort de cette rencontre. Au tir au but ou avant. Sur un fait de jeu. On va voir. Oh là, il a fait la différence. Oh. Il a encore des cannes. Le défenseur a voulu jouer au malin. Oh, Mogé va y aller. Donc tout seul. C'est dommage, encore une fois. Il avait la solution en retrait. Aïe. Ah, il aura croqué, hein. Ah, dernier ouais. Mogé sur ce match. Oui, mais il a marqué. Voilà, c'est ça. C'est toujours le dilemme avec les attaquants. Mais c'est vrai que là, sur 2-3 opportunités, ah, s'il avait donné son ballon. Après, c'était compliqué. Il était en pleine course aussi. Le défenseur couvrait bien. Bref, on va pas refaire l'action. C'est derrière nous maintenant. Taon qui est reparti à l'attaque. Avec Mohamed Odom, c'est bien ça, avec Kabanda, bon fils Kabanda. Ah, la rentrée de Pigné sur le côté a mis un peu sous les ténoirs Odem. Alors il reste un changement hein, du côté de Taon, pour le moment il n'a pas été utilisé. Sans doute que Julien Kipfer va encore attendre un petit peu. Hein. Pour le moment c'est vrai que Taon on a l'impression à la mainmise, même si Metz revient bien en cette fin de match. Je trouve que les médecins se... Eric Brand m'a dit du bien de Thibaut Georges. Eh ben, je ne sais pas s'il va rentrer. On va suivre ça avec intérêt en tout cas. Nathan Thibaut Georges. Eh oui, c'est peut-être une solution de choix en tout cas. C'est soit lui, soit Jean-Christophe Durin, puisque Benjamin Rémy c'est le gardien remplaçant. Et c'est vrai qu'on a pris un gros... Ah non, je vous ai dit une bêtise. J'allais dire. Allez, le 6 mètres... à suivre. Pratisme de Monsieur l'arbitre. Oui. Ah bah c'est son rôle hein. Oui. C'est son rôle. Il a fait une bonne finale là. Ah très clairement. On a eu vraiment un arbitrage absolument parfait. Et je voulais saluer Monsieur Bastien, le superviseur justement des arbitres de Lorraine. Monsieur Bastien qui eh bien depuis le 1er janvier 2014 est devenu un arbitre européen, lui qui a l'habitude d'arbitrer notamment en Ligue 1. Et c'est peut-être l'avenir justement de notre arbitrage. Et on va suivre cette action, je vous raconte une belle anecdote. Mohamed Odom qui était passé, et finalement ça va sortir. Monsieur Bastien qui me racontait qu'il est parti faire donc des tests de VMA, parce qu'ils ont des tests physiques à Clairefontaine. Et que le recordman VMA à Clairefontaine du côté de l'équipe de France, c'est Franck Ribéry, à qui on a une pensée, puisqu'il va rater le mondial, ça a été annoncé hier, du fait de douleur au dos. Et Monsieur Bastien a pulvérisé le record de Franck Ribéry. Ah! C'est vous dire. C'est si... Bastien qui doit aller au Brésil. Eh ben oui, c'est peut-être ce qu'il aurait fallu dire à Didier Deschamps.
Allez, le ballon côté droit. Non, finalement, c'est Taon qui va récupérer et on va alerter toujours cet homme. Moi, je mettrais une petite pièce sur lui. Si jamais Taon venait à gagner, il rentrait là. Il est pas loin. Il a déjà mis son but, lui. Hein. Ouais, lui aussi, il a mis son but. Certes, sur pénalty, mais il a eu de l'activité sur son couloir. C'est vrai qu'avec Nicolas Bécus, le gardien... Ça ne sera pas avec ma sœur. Et regardez, Fusy qui se bat, en tout cas. Julien Pignet. Ouais. Ah. La faute est accordée à Taon et les Messins font un peu grise mine. Dans la tribune, on discute un petit peu avec l'arbitre, mais il garde le sourire, monsieur Grossman. Alors que l'on vient de nous donner le chiffre officiel, environ 1200 spectateurs sur l'après-midi. Cette Coupe de Lorraine est une réussite, mon cher Gabi, et aura déplacé les foules. Très bien, très bien. Hey, c'était dur là aujourd'hui de déplacer les gens du bord de l'eau, de la terrasse, de Roland-Garros. Du barbecue de Roland-Garros en effet. C'est vrai qu'un samedi comme ça, ensoleillé, on va pas forcément au stade, on s'occupe de la famille. Et ben, les gens sont venus en famille au stade et c'est ce qu'on aime. Et c'est pour ça qu'on aime cette ambiance de coupe. On va suivre ce coup franc. Et c'est bien tiré, c'était à nouveau chercher le deuxième poteau. Une faute offensive de la part des Taonais. Et là, le rythme est carrément baissé d'un cran. Hein, pour les 10 dernières minutes. La dernière occasion, c'est Odem, je crois qu'il l'a eu sur sa tête piquée. Mais ça là, fait bien 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Ouais, qu'on n'a rien eu. J'ai l'impression qu'on se dirige doucement, mais sûrement, vers les prolongations. À vous de me faire mentir, messieurs, sur le terrain. Et le public l'a bien compris et donne de la voix. Voilà, on est tous coordonnés aujourd'hui. Allez, va aller à la lutte. Moger, je sais pas ce qu'il mange le matin, mais... Je peux vous dire que... Oh là là, bien joué, ça, il a fait la bonne remise, la frappe à venir, le contre favorable. Et la balle qui va sortir. Oui. Oh, c'était ce Valentin Sagnier, toujours en retrait, toujours bien posé. Très bien joué de la part de Damien Moger. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'on avait été critique avec lui tout à l'heure, là pour le coup. Il faut le saluer. Corner joué à la Rémoise, au deuxième poteau, la tête piquée. Sans problème pour Thomas Denovillère. Et on voit qu'à chaque occasion, c'est quand même un coup hein, pris derrière la tête. Attention, s'il lui la met dans la profondeur. Ouais. Il n'y avait pas de position d'hors-jeu. Hein. Non, parce qu'il était parti au bon moment. Monsieur Burgère. Et voilà, là par contre, il y a bien faute. Ah, derrière, c'est pas infranchissable. Hein, à Taon. Hein, parce qu'à chaque fois que les attaquants de l'APM mettent un peu de peps, ils sont en danger. Ah, hein. À chaque coup de boutoir. Là, les duels sur les côtés, Damien Moger. Il les a gagnés tous. Ah ouais, il n'y en a pas. C'est dommage que de temps en temps, il ne termine pas par un centre en retrait. Et c'est tentant. Ça, c'est mal tiré. Ouais. Attention, hein, parce qu'il ne va pas y en avoir 40, hein, des cartouches comme ça. Moins de 10 minutes de jeu, en tout cas dans le... Enfin, moi, je donne un pronostic. Hein. On va en prolongation. Allez-y, on va en prolongation. Je crois que je vais vous suivre. Je ne vais pas trop mouiller. Je peux même parier mon slip, là, sur le coup. D'accord. C'est pas tombé dans l'oreille d'un souverain. Allez, Taon qui va essayer quand même de mettre un peu de rythme, même si c'est vrai que on souffre physiquement, on l'a dit hein, tout au long de cette retransmission. C'est bien joué, ça. C'est bien joué, il est parti, à la limite du hors-jeu, il n'est pas. Et c'est notre ami Wabi, Rachid Wabi qui a pu s'entrer. Ouh, il m'a 5 à alors là, ça aurait été la justice. Oh là 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 là, il a fait un match parfait, il a failli tromper son gardien, ça aurait été terrible. Encore, je pense que. Le placement d'Odem sur ce centre n'est pas très juste. Ouais. Il aurait mieux fait de piquer au premier poteau. Et le centre est parti trop tôt parce qu'il était 1 contre 3 dans l'axe. Le corner, c'est bien parti. Ah, et oh, attention, il s'est loupé. Ah, on a signalé une faute du côté d'Emmanuel Grossman, lui aussi, hein, Nicolas Bécus. On disait qu'il avait fait le match parfait jusqu'à présent. Non, mais là, l'arbitre a décidé de protéger toutes les sorties de gardien. Et c'est bien, et c'est en bien, particulier celle de Bécus parce que lui il n'a pas froid aux yeux, hein. il y va. Hein. Ouais, ça c'est vrai que. Et vous avez vu hein, deux styles de corner différents. Hein. Du côté de Taon, on aime jouer à la Rémoise avec une remise. Et par contre, du côté Messin, c'est droit au but. Hein. Oh. Les corners taonnés, comme celui-là à l'instant, sont tirés beaucoup trop haut. Là, le gardien a le temps d'apprécier l'endroit où le ballon va retomber. Hein. Après, c'est une histoire de maniement de ballon et de sûreté dans la prise de balle.
Il travaillera ça avec Eric Brousseau, qui est un très bon gardien, qui était un très bon gardien. Et qui ne manquera pas de lui donner les meilleurs conseils. Voilà. Allez, ce coup franc. Et les Bleus qui sont encouragés par le public taonné, mais le coup franc est bien messin avec Soilou qui va mettre le ballon dans la boîte sur la ligne des 5 mètres. Et ça va être un corner pour les Messins. Alors on va voir s'ils vont jouer à la Rémoise justement. Il y a le numéro 14, Fauzi Meada, qui se présente près du poteau. Il y a Massa qui fait petite incursion dans les 16 mètres. Et, oui, allez. Et lui, il a un super jeu de tête. Hein. Et bien il a de la taille. Hein. Il a de la taille. Et vous allez voir la détente surtout. Là, ce coup-ci, on va jouer direct. Hein. Ce corner est sans doute au deuxième poteau. Il y avait Mogé. Attention, ça va revenir. Ouh là, il faut revenir. Il faut revenir en défense parce que il y avait une possibilité de contre-attaque intéressante pour Taon. Ouh, on va talonner. Et oui, bien sûr que. Non, il n'y a pas la faute. Monsieur Grossman qui laisse l'avantage et qui va revenir. Ah oui, bien arbitré. Très bien arbitré, tout à fait. On est rentré dans ce dernier quart d'heure. Ce dernier quart d'heure au cours duquel Taon a encaissé 12 buts cette saison et marqué 8 buts. C'est le quart d'heure où Taon a le plus souffert cette saison. Eh mais ça se confirme. Hein. Et on le voit exactement hein, sur cette pelouse où le bon appel. Attention à la lutte, la bonne sortie du gardien. Et voilà. Faut te signaler Gabi, vous avez vu ce qui s'est passé. Bah, il... C'est toujours la même chose, il protège les défenseurs. Là je crois que c'est une petite poussette sur le défenseur de El Khafaoui. Et Khafaoui, il a fait lui aussi un bon match, on l'a vu monter La profondeur. Là maintenant, l'APM a adopté un nouveau système hein, offensif. Il joue à deux pivots, ouais. Axio. Et oui, on va utiliser la tête de la taille, excusez-moi, de Khafaoui. Et Soilu pour le côté gauche. Par contre, le côté droit est assez déserté. Hein. Surtout que Pigné ne prend aucune initiative offensive. Ah, c'est dur, hein. C'est dur pour les organismes. 86 minutes de jeu dans 5 secondes exactement. Il y a Meada Faoudi là qui devrait justement plonger sur le côté droit. Et normalement il reste toujours un changement hein, du côté taonnais, hein, ce qu'on se le réserve en vue d'une éventuelle prolongation. Difficile à savoir. Alors 3 plus 3:30 plus 2 minutes de la mini pause. Ça fait 5 minutes, les arrêts de jeu. Ça peut faire 7 minutes tout ouais, ça. Ouais, ça peut faire 7 minutes, tout à fait. Allez, le débordement côté droit de cet homme ventré là, lui aussi là, ça commence à être de plus en plus dur les efforts et regardez, il va pas aller le gagner ce duel même si il récupère tout de même la touche. Mogé va, enfin selon le résultat, il va faire un cauchemar ou un rêve de ventré là. Hein. Ah oui, là, c'est sûr que... Attention. Oh, attention à ce bon ballon, ça allait revenir vers Mohamed Odem. Écoute, sifflet à nouveau de l'arbitre pour une position de hors-jeu de l'attaquant. Bien signalé à nouveau par... l'arbitre assistant. Et bah c'est une réussite. On peut remercier vraiment la Ligue de Lorraine pour cette belle après-midi que l'on a vécue. Moi le Parigo, je regrette pas d'être sorti de ma capitale pour vivre du foot comme ça, très honnêtement, dans un bon esprit, avec du spectacle, avec ses valeurs de sacrifice. On a vu du beau jeu également. Non vraiment, je vous conseille à vous tous, hein, si vous me suivez d'un peu partout en France. Venez voir ces finales de Coupe de Lorraine. Oh là, oui, non, il n'y a pas faute. C'est ce qu'on signale, on s'en veut hein, du côté de Rachid Ouabi. Non, vraiment, il y a un cœur qui bat pour le foot dans cette région. On l'avait vu l'an dernier à Metz. On le voit de nouveau ici à Nancy. Et. Allez, maintenant, tous les chocs vont avoir beaucoup de conséquences. Hein. On le voit. Il y a la fatigue. Et puis on va essayer de temporiser aussi un petit peu peut-être. De se rapprocher. Ah, c'est charpentier. Il y a le poids de l'âge là aussi. Ouais. Hein. Je sais ce que c'est. Et puis, puisqu'on a remercié la Ligue de Lorraine, il faudrait également remercier la Fédération Française de Football, VisioFoot également, cette splendide société de production qui vous permet le... Dieu sait que le foot commence à coûter cher. En tout cas pour nous les abonnés. Que ce soit d'une chaîne ou d'une autre. Et c'est bien l'objectif en tout cas de VisioFoot de démocratiser, de faire vivre ce football amateur. L'autre football, mais qui ravit les passionnés que nous sommes, que vous êtes, vous, derrière chez vous, derrière votre écran. Et vous voyez, hein, on peut faire des miracles. Celui-là va faire mal. Hein. Ouais, et attention à ce contre. Attention à ce contre. 88e minute de jeu. Ça a démarré côté droit avec Ventrella.
qui va centrer. Ça sort. Et Massin. Aïe, 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 aïe. Il est partout ce garçon. Ah, ça va bien dormir du côté de Massin. Allez, le ballon qui revient vers Kabanda. Kabanda qui est orienté côté gauche. Direction Wabi. Wabi, il est passé. Ouh, il est tombé dans la surface, il n'y a rien. Un coup de bluff. Joueur de poker sur Rachid. L'arbitre Wabi était à 10 mètres. Hein. Oui, vraiment, il a bien vu. Très bien placé. Il a bien vu l'action. Le coup de tête, on va dégager en touche. Ah là, on prend plus de risques. Hein. C'est pas le moment. Dans 30 secondes, tout rond, on est dans les arrêts de jeu. Alors, et 4 et 2. Ah, à moins qu'il ait mis moi, les 2. Moi, je crois que les 2, voilà, les 2, il les a mis avec les 4. D'accord. Donc, on aura 4 minutes de temps additionnel. Et les supporters de la PM qui se réveillent, ils ont bien raison parce que leur garçon commence à être un petit peu fatigué. Vous le rappelez, hein, la PM, c'est une moyenne d'âge de 22 ans. Avec... Quelle est la moyenne d'âge à Taron? Bonne question. Bonne question, je vais vous dire ça dans quelques instants. Je vais faire mon petit calcul. Vous avez vu tout à l'heure que j'étais super bon en mathématiques. J'espère que mon ancien prof de maths ne me regarde pas parce que là... Là, il en aura la responsabilité. Hein. Voilà, oui. Point final. Hein. On va se cacher derrière ça. Attention à ce bon ballon dans la surface. Là, il gagne le ballon. Hein. Moi, j'ai... Non, pas de chance. Ah, ça se couche vite. Hein. Ouais. Ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus. J'ai 27 ans, moi, de moyenne d'âge. Pour, ah oui, oui. Allez, on se calme, messieurs. C'est une fête, ne l'oubliez pas. Sur voilà, la deuxième mi-temps, il y a pratiquement autant d'occasions. Oui, c'est très équilibré. Hein. D'un côté comme de l'autre. On avait dit que ça allait se niveler. De toute façon, il n'y a qu'une division hein, qui sépare ces deux équipes. Puisqu'on vous le rappelle que Metz évolue en DH. Et Taon en DHR. Les deux équipes sont maintenues hein, d'ailleurs. Hein. Et après, on... J'anticipe dans la séance tir au but, là on aura deux gardiens réflexes. Hein. Ah oui, là et puis ils sont chauds. Hein. Ouais. Là, les gants. C'est deux piles. Hein. Ça a frotté sur les gants. Ouh, attention, parce que lui il a du carburant. Mohamed Odem, faut qu'il prenne la bonne décision. Ah, c'était compliqué avec Rachid Wabi. Wabi Odem. Et voilà, on lance droit devant. Oh, c'est dommage. Ah oui, il est fatigué un peu. Hein. Issam Kelfaoui. Monté d'un cran, on vous l'a dit. Hein. Tour de contrôle sur le front de l'attaque avec tout le travail qu'il a fait hein, sur son côté gauche. Ce serait que justice en tout cas qu'il aille de son petit but. Et ça discute dans les tribunes. Allez, la remise en jeu pour la PMS. La PMS, petit point d'histoire. Je sais que ça vous fait toujours plaisir, mon cher Gabi. Oui. La PMS qui a été créée en 1949 par Émile Weinberg. Weinberg même, qui a donné son nom au stade. Oui. Il avait créé cette association accompagnée de nombreux passionnés. Il était directeur du service des eaux de la ville de Metz. Ce qui explique en fait la PM. Voilà, l'amicale du personnel municipal de Metz. Et on ne vous répétera jamais assez ce chiffre. 524 licenciés. Un des plus gros clubs de Lorraine. Le plus gros ? Écoutez, le président Michel Gendron n'était pas sûr que ce soit le plus gros. Ah, d'accord. Il avait un doute. On va se fier à son doute. Mais en tout cas, la certitude, c'est que c'est un des plus gros. Ah, la belle ouverture côté droit. Si ça passe, ça peut aller loin. Faudrait voir Épinal. Avec Kelfaoui. Ouais, faudrait voir Épinal. C'est sûr. Hein. Ouais. Kelfaoui. Oh là, oh là, oh là, là. Il est allé plus vite que le ballon. Et il s'est emmêlé les pinceaux. Kelfaoui. On va repasser par derrière du côté Messin. On a l'impression que les deux équipes attendent les prolongations là. Hein. Ouais, plus de risque là. Ouais, surtout pas maintenant. Là, il faut un exploit. Hein. Et pourquoi pas du côté Messin sur cette action. On est côté gauche avec Mogé, Damien Mogé. Ah. Ah, cette fois-ci, il est tombé. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure d'ailleurs en antenne, mon cher Gabi, avec l'entraîneur de Lunéville. Il lui disait que c'est vrai que cette pelouse avait posé beaucoup de soucis à ses joueurs il y a deux ans lors de la finale de Coupe de Lorraine qu'il avait perdu. Il disait la difficulté d'adapter son cramponnage
Oh, attention, il est passé. Il va falloir peut-être la sortir. Ouais. Et ouais, faute signalée par Cyril Burgère. Difficile de savoir quel crampon mettre. Et on a vu quelques glissades aujourd'hui hein, sur ce terrain synthétique. Plus chez les filles. Plus chez les filles, c'est vrai. D'ailleurs, qui aurait pu occasionner des dégâts. Hein. Parce qu'il y a eu des grosses occasions de Vojdila. Ah, ça y est. Et voilà, le coup de sifflet final, mais on reste ensemble. Bah on reste ensemble parce qu'il y a des prolongations qui nous attendent. Deux périodes de 15 minutes chacune, ça c'est le minimum. Et si je n'arrive pas à se départager, bah, le classique, les tirs au but. On a vu, on va pas se cacher, une deuxième mi-temps passionnante. Mais un petit peu avec beaucoup moins de rythme en tout cas que cette première période. On l'avait dit, ces deux équipes sont émoussées, la saison a été très longue. Mon cher Gabi, difficile de donner l'avantage à l'une des deux équipes justement cette deuxième période. En deuxième période, les débats ont été très équilibrés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu des occasions franches pour l'APM tout de suite après la mi-temps. Ensuite, Tahan a repris les choses en main. Il y a eu cette tête piquée là qui aurait mérité un meilleur sort. Mais il ne faut pas oublier aussi ce débordement de Damien Mauger qui a été sauvé par un réflexe de Denovilliers. Oh, je dirais que c'était très équitable. On n'a pas quand même revu le schéma de la première mi-temps où Tahan avait pris nettement le dessus, en tout cas avait pris en main le match. La possession était tahonnaise. Et les Messins s'étaient contentés de contres. Des contres, d'ailleurs, Danta a été décisif. Par contre, en deuxième mi-temps, les choses se sont beaucoup plus équilibrées. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une panne de kérosène. Hein. C'est, des deux côtés, d'ailleurs. C'est net, hein, ouais. Mais bon, dans la chaleur de la cuvette, la fin de saison, des difficultés pour l'APM pour accrocher son maintien. Alors, tout ça, ça fait une longueur de saison. Alors, je pourrais pas vous dire qui va gagner. Ah ouais, là c'est compliqué. Vous pouvez prendre des pronostics chez vous, bien sûr. Vous pouvez nous envoyer vos messages sur Twitter via le hashtag. Donc, c'est le petit dièse, tout simplement. Vous mettez Coupe Lorraine derrière et nous, on lira vos messages. Et bien sûr, notre ami Gabi répondra bien sûr à tout ce que j'avais vu de l'APM lorsqu'ils sont venus à Vémerange. Je pensais que sur cette dynamique. Bon, il pulvériserait une équipe réserve, mais surtout de niveau DHR. Mais là, les débats sont beaucoup plus équilibrés que je ne le pensais. Hein, c'est bien en place. C'est net. Je dirais même qu'en première mi-temps, la supériorité était vosgienne. Hein. Alors, la première question que je vais vous poser, mon cher Gabi, c'est au coach que vous êtes. On sait que vous avez été entraîneur, on sait que vous avez été joueur, le coach. Qu'est-ce qu'on dit aux garçons dans ces moments-là? On vient de passer 90 minutes, la saison, on l'a dit, a été très compliquée. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu surtout une débauche d'énergie énorme, que ce soit mental, que ce soit physique. Qu'est-ce qu'on va leur dire aux garçons? Ne prenez pas de risques dans les 30 derniers mètres, dans vos 30 derniers mètres. Même chose, je dirais, même dans le milieu de terrain, jusqu'aux 30 mètres adverses. Par contre, tout gars qui a une opportunité, il doit aller au bout de ses idées. C'est un arrière latéral, c'est un stopper. Il doit aller au bout de ses idées. La prise d'initiative. La prise d'initiative, aller au bout de ses efforts et essayer de jouer le plus juste possible dans le dernier geste. Et c'est comme ça que la décision peut se faire. Mais bon, moi je vois bien une neutralisation. Vous voyez les tirs au but? Oui. Eh bien écoutez, restez avec nous, voilà, avez le pronostic en tout cas de notre ami Gabi. Gabi, on va se mettre maintenant dans la tête des joueurs. On fait beaucoup de psychologie aujourd'hui, hein, c'est le thème. Dans la tête des joueurs, c'est compliqué aussi, ils sont fatigués. On a vu beaucoup de manque de lucidité, souvent dans le dernier geste. Comment on va retrouver un petit peu de ressources, justement, mentales pour aller accrocher, essayer de faire la différence? Il y a le moment de bonheur de brandir la coupe. Il y a qu'à, moi je pense que si j'étais entraîneur, les gars, vous ne vivrez pas 50 fois ça dans votre carrière. Donc donnez tout ce que vous avez, essayez d'être lucide, parce que ça va être la grosse difficulté. Ne tentez pas l'impossible, surtout lorsque vous n'êtes pas dans les 30 derniers mètres. Bon, à partir de là, il faut aller chercher cette concrétisation de la moindre occasion qui se présenterait. En tout cas, l'ambiance est en train de monter d'un cran. Vous l'entendez derrière nous, le speaker qui s'amuse un petit peu avec la foule. J'ai l'impression qu'il y a bien plus de Messins qu'on fait le déplacement à Nancy.
Oui. C'est rare. Non, c'est rare. Enfin, qu'à Marcel Picot, les Messins soient en majorité, parce qu'il y a, il y a peu de Nancéens. Les Nancéens étaient là tout à l'heure. À la Ligue de Lorraine, ça nous est souvent reproché que les Mosellans, on est assez envahisseurs. C'est les batailles de clochers. C'est normal, c'est toujours comme ça. C'est le football, c'est la magie du foot et de la coupe. Merci à vous tous, en tout cas, d'être avec nous. Restez avec nous. On va partir sur, on l'a dit, deux séances de 2 fois 15 minutes pour ces prolongations. D'ailleurs, on a entendu le coup de sifflet de Monsieur Grossman qui va donc lancer sans doute cette première période d'ici quelques instants. Tactiquement, est-ce qu'on peut penser que les deux blocs vont un petit peu reculer, Gabi? Peut-être pas forcément, parce qu'on va se mettre en danger si on recule et qu'on essaye d'assurer ce résultat jusqu'au bout. C'est ça tout le problème. Moi, je pense que c'est dans la prise de risque. Ouais. Les entraîneurs vont leur dire prise de risque minimale, hein. Surtout dans les zones. Bon, maintenant, dans les 30 derniers mètres, Odem, tu peux y aller, ouais. Provoque, cherche le péno, amuse-toi. De l'autre côté, Ventrala, continue comme t'as fait, Damien, Mogère, vas-y, tu vois bien que sur le côté gauche, tu peux passer, dans les 30 derniers mètres, c'est là que la différence va se faire. Et là, il y a eu des opportunités des deux côtés, hein. Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller vers A1. Oui, bien sûr. Ouais, il peut se passer plein de choses, voilà. Encore, hein. Un fait de jeu, bien entendu, on rappelle que tous les changements... Rappelez-vous l'année dernière. Ouverture du score, je crois, de Vemrange, non? Exactement. En prolongation. Exactement. Hein, ouais, l'égalisation de... La dernière minute, presque. Voilà. Et surtout, il y avait une chose, j'allais y venir, Metz a fait tous ses changements, il reste un seul changement à Taon, et on se rappelle que l'année dernière, Vemrange avait fait tous ses changements, et il y avait eu de la casse à la fin, ils avaient fini à 10, puisque Kiefer, notamment, était resté sur le bord de la route. Les 22 acteurs, en tout cas, sont en train de se préparer juste derrière nous. Le public est chaud. Je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être plus de Messins. Finalement, sur le deuxième appel, les Taonnais sont bien présents. On va dire que c'est équilibré sur 1200. Si je suis bon en calcul, sur 1200, ça nous fait du 600 et 600. Voilà. C'était facile. Allez, on va se plonger dans ce jeu, dans cette deuxième période. Dans cette première période, surtout, des prolongations. Voilà, le suspense jusqu'au bout. Pour vous mettre d'accord, la troisième période. Ou la troisième période, voilà. On va innover. On va innover. Allez, je vais prendre. Là, il n'y aura pas de mini-pause. Non, là, je pense qu'il n'y aura pas de mini-pause. On va jouer les 15 minutes à fond. Toujours deux images différentes. À gauche, mais vous ne le voyez pas actuellement sur votre écran, il y avait les joueurs de Metz en rond, en train, bien sûr, d'essayer de se donner les petites consignes, de se sublimer. Du côté, par contre, de Taon, on est déjà en place sur le terrain. On occupe sa moitié de terrain. Et... En tout cas, dans les têtes, ceux qui ont un état d'esprit positif doivent se dire c'est possible. Bien sûr. On peut la gagner. Tout est encore jouable. Il reste 30 minutes dans ce match. Quoi qu'il arrive, hein, pas de but en or. Ça, c'est fini. Vous le savez d'ailleurs. Et c'est parti pour cette prolongation. C'est parti pour cette prolongation entre l'APMS et le S Taon. L'équipe 2, bien sûr, qui évolue en DHR. Un partout au bout du temps réglementaire. Et on repart pour 30 minutes avec la grande joie et surtout une première frappe. C'était l'œuvre notamment de Mohamed Odem. Et on va dégager très tranquillement, loin, le plus loin possible, surtout du côté des Messins. Le ballon qui malheureusement va revenir vite dans leur moitié de terrain. Et les nouvelles possessions pour Taon. Ah, le ballon a été perdu, on a joué la faute à fond, notamment du côté de Dogan Soilou. Et attention à ce ballon qui va entrer dans la surface de réparation, les Messins. Ah, c'est dommage, hein. On s'en veut d'avoir loupé cette petite occasion. Et ça repart du côté taonnais avec notamment Kabanda. Kabanda qui demande à ses attaquants justement de monter, de prendre la profondeur, d'apporter sans doute un petit peu plus de danger. On revient vers Jantet. Jantet qui s'appuie côté gauche avec Ventrella. Ventrella la roulette. Ventrella qui va amener pied droit sans doute pour centrer, peut-être pied gauche. Ventrella, il se remet sur son pied droit, c'est bien joué. Oh, le bon centre en retrait, c'était très bien vu de la part de ce numéro 7 qui décidément fait une très bonne partie. On ne finira plus de le dire et on dégage comme on peut. Ah, sauf qu'il peut du côté de Mathias Rochard et de Taon. Nouvelle touche pour la PMS. Avec Julien Pignet. Ils sont deux hein, au marquage sur Mohamed Odem. Ils ont compris que le danger pouvait venir de ce garçon-là. Mais je crois que Ventrella va être un peu gêné pour centrer du pied gauche. Ouais, on l'a vu d'ailleurs. Hein. Je pensais que. Mais bon, il peut rentrer
il peut rentrer intérieur et frapper du droit à la Ribéry. Oui, complètement. Il serait dans le sens du but dans ces cas-là. Oh là, le bon appel de ventre est là, dans le dos. C'était De Pignet, très vigilant, plein de sang-froid. Le bon jaillissement, à nouveau, oh de Cochard. Et voilà. Oh là, par contre, il y a eu attentat. Il y a eu attentat. Alors attendez, parce que... Si on était sur du gazon, je dirais la faucheuse. Ouais. On aurait pu dire ça. Ça, c'est vrai que... Mais là, il n'est pas allé de main morte, notre ami Mathias Fauchard. À mon avis, il va prendre la petite biscotte beurrée. Hein. Et oui, regardez. On met la main à la poche et c'est le jaune. Et le là... troisième jaune dans cette partie, c'est pas... Ouais, c'est pas exceptionnel. Hein. Très bon état d'esprit. En toute sa moyenne, hein, quand même, l'arbitre. Hein. Ouais, non, là, il faiblit, là, en fin de saison. Ça va plus, moi... Je suis déçu. Voilà, non. Très bon arbitrage. Alors, par contre, du côté Messin, on est resté au sol. On n'a plus de changement, hein, côté Messin. On disait ça peut faire la différence. Fawzi Meada qui se relève, ça va, ça a l'air d'aller. Petite foulée. Et ça va repartir. 93e minute de jeu. Toujours un partout entre les deux équipes. Décidément, c'est difficile de trouver un vainqueur à ce match et à cette finale de Coupe de Lorraine. Le ballon loin devant dans la boîte. Et là, votre tête Messine, notamment de Florent Mauger. La famille Mauger. Bien en place et on accorde, c'est quoi, une position d'hors-jeu, une faute? Non, une Gabi, faute, ouais, une faute. Dans le duel aérien. On va repartir côté Taonnet avec Jantet et également Lep. Jantet, on se rappuie désormais avec Parisot. Parisot qui va ouvrir à gauche vers Fresno. Fresno vers Ventrella. Oula, Ventrella, voilà. C'est là où c'est pas mal. Très important. Ouais, il peut faire la différence, malheureusement, c'est... il partait de loin, Rachid Wabi. Non, puis c'est le problème, c'est la zone de masse. Oula Mais il a le rouge, là. Ouais, il l'a vu. Oh là là, alors là, c'est peut-être le tournant du match, Mathias Fauchard. Averti, il y a quelques secondes, alors qu'est-ce qu'il va lui dire? Jaune. Ouais, il va le prendre le deuxième carton jaune, et c'est le rouge. Mathias Fauchard expulsé et Taon qui va finir cette rencontre à 10. Voilà. C'est peut-être le tournant du match. Et heureusement que Taon a gardé un changement. Alors le problème. Oui, mais un changement, il faudra faire sortir un gars. Ouais. Aïe. Il y a un défenseur central qui sort quand même. Il y a un défenseur qui se rapplique là. Ouais, numéro 13. Jean-Christophe Durin. Voilà. Il va faire son entrée en jeu. Ah bon, alors là, pour la prise de risque du côté Taonnet, c'est terminé. Hein. Oh là 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 là, c'est terrible. C'est terrible pour Mathias Fauchard. Mais il a été à la peine hein, quand même. Hein. Bien sûr. Les débordements dans les duels. Avec Damien Mauger, il a été à la peine. Hein. Il a pris le bouillon sur ce match. Mais bon. Là, vous êtes sévère quand même. Non. Oui, c'est vrai que je suis peut-être allé un peu loin en disant ça, mais. En fait, par cette chaleur là, prendre le bouillon. Hein. Mathias Fauchard. C'est quand même un gars qui a joué à haut niveau amateur. Hein. Ouais, c'est CFA 2. Ouais. Il est un peu forcé, il me semble. Ah, bah c'est le premier Qui, hein. Qui ne forcit pas. Bien sûr. Ça prouve qu'on est en bonne santé des fois. D'accord. Oui, docteur. Je vais le prendre comme ça. Attention. À ce joueur, c'était Odem qui avait une bonne opportunité. Et là, à 10 contre 11, ça va tout changer pour Taon. Mais parfois, on joue mieux à 10. Et on va essayer de le voir, malheureusement. Ouais, il a un peu. Il a eu pied qui a tremblé. Et alors, derrière, c'est pour le moment Fresno qui est redescendu d'un cran en défense centrale, en attendant bien sûr l'entrée de Jean-Christophe Durin. Le problème, c'est peut-être que. Oh là là, ça y est, on est passé. On est passé encore côté gauche. Fresno, oh là là, c'est passé à nouveau! Et le bel arrêt du gardien! Oh, Thomas Denovillers! Là, ça va être Non, mais il a encore une fois oublié de centrer, Damien Mauger. Ouais, c'est. Ah, c'est peut-être pas lui là. Ah, si, c'est lui qui a débordé. C'est lui. C'est bien lui. Et voilà, la sortie d'un garçon qui aura beaucoup donné. Malheureusement, on aurait bien aimé le voir finir ce match. C'est Nolan Ventrella, le numéro 7. On perd un tireur de tir au but. Hein. Ouais. Nolan Ventrella, honnêtement, il a fait un sacré match. C'est lui qui a égalisé sur pénalty tout à l'heure, vous le voyez à l'écran. En tout cas, il sort sur les sifflets parce qu'il y a beaucoup de supporters messins. De ce côté, en tout cas, de la tribune. Ouais, mais enfin, lui, il n'en peut rien. Hein. Mais lui, en tout cas, il aura fait son match. Et ce soir, il aura mérité cassoulet, dodo.
et surtout une belle fête, on espère, pour les Taonnais. Hein. On n'a pas de parti pris, sauf vous, mon cher Gabi, c'est normal. Vous êtes de la région, on vient toujours de quelque part. Et Jean-Christophe Durin, qui est entré sur cette pelouse. Il faudra qu'il soit vite dans le match. Hein. Il n'y a plus de changement, en tout cas, possible. De part et d'autre, la tête de Massin. Et le deuxième but. Massin. Et voilà, Massin. Incroyable. Qui peut, peut-être, la victoire à la PMS. En tout cas, tout le monde est debout. Oh, quelle belle histoire, ce Massin. La belle histoire, Massin, qui a fait un match absolument prodigieux. Il a sauvé la baraque pendant jusqu'à présent 97 minutes derrière et d'une tête rageuse. C'est lui qui donne l'avantage à Metz. Incroyable, incroyable, Gabi. Ah, il fait un super match, hein. Ça sera l'homme du match. Ah ouais, sans conteste. À coup sûr. Là, c'est bon. Bon, il a gagné tous les votes. Petite erreur du gardien là, qui a du mal à repousser le ballon. Parce qu'il la met, dans le plafond. Hein. Alors le là, gardien qui la met dans le plafond. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a déjà une erreur aussi à la réception du corner. Où c'était un coup franc, je crois. Et écoutez, Taon qui donne en tout cas de la voix pour supporter son équipe. Le match n'est pas terminé. Alors là, ça serait carrément l'exploit de Taon de revenir à égalité. Ouais, mais rappelez-vous, Vémange l'a fait l'an dernier, réduit à 10 après la sortie de Kiefer sur blessure. Vémange l'avait fait, était allé arracher justement cette séance de tir au but, alors pourquoi pas Taon. Mais c'est sûr que ça va être dur. Écoutez, hein, Metz, leur meilleur résultat jusqu'à présent en Coupe de Lorraine, c'est un quart de finale. Première finale, et bah premier arrivé, premier servi, hein. Incroyable. Le 15 avril, ils étaient à 12 points en DH. Et ouais, imaginez un petit peu cette fin de saison complètement folle. Ça va vite dans le football. Ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, dans un sens comme dans un autre. Et bah c'est une phrase et un leitmotiv qui s'y est particulièrement ce soir. Ah mais c'est, regardez le héros. Le héros, Corentin Massin. Oui, il a des crampes, c'est normal. Ou alors, il temporise peut-être un peu aussi. Il est jeune, mais il a du métier, ce garçon, Corentin Massin. Allez, c'est peut-être pas terminé pour Taon avec ce ballon dans la surface. Et là, on va se battre. Hein. Regardez tout le bloc taonnais dans la moitié de terrain Messine. Faut pas reculer pour Metz. Faut pas reculer dans cette fin de match pour ne pas trop subir non plus, même s'ils sont à 10 contre 11. Et la touche va être pour la PM. Eh bien écoutez, ça viendrait. Il y a Kelfaoui qui occupe un poste à nouveau défensif. Parce que je le vois faire la touche là-haut. Il aura tout vécu, ce garçon. Il aura tout vécu. On va laisser. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a faute. J'ai pas bien compris, ouais, tout à fait. Oh là 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 là. Écoutez, pour le moment, Stéphane Ruggieri, pour son dernier match, il est en train de faire le banco total là. Hein. On voit énormément de fatigue hein, chez les joueurs. Il faut pas qu'il y ait du gâchis quoi, au niveau comportemental. Oui. Ouais. C'est sans doute d'ailleurs ce qu'est en train de dire Monsieur Grossman. Tout s'est bien passé jusque maintenant. Surtout Parizeau. On l'a vu très calme tout au long de ce match. Très posé dans son jeu. Ouais, et puis là, le but, il n'y a rien à dire quoi. Bien sûr. Il s'est élevé plus haut que tout le monde. Il la met assez fort pour que le gardien ne puisse pas la repousser définitivement. Il la met dans le plafond. Et puis voilà quoi. 20 ans que Taon attendait une finale. Et bah en 2 minutes, hein, l'expulsion de Mathias Fauchard, le coup franc à suivre. Et Taon, eh bien, qui est peut-être reparti pour 20 ans. À moins que Mohamed Odam nous fasse mentir. Lui, il a du jus. Il peut y aller. Il a ouvert à droite. C'est bien joué. À direction notamment de Kabanda. Kabanda est dans la surface. Il n'est pas encore passé, il s'écroule, il cherche le pénalty. C'est dommage. Et c'est Kelfaoui qui joue arrière-gauche. Voilà, c'est ça. Ouais, le contre. C'est peut-être comme ça que ça peut passer également. Elle sort pas, celle-là, elle sort pas. Ouais, non. Ou en touche. Elle va aller en touche, là. Une mauvaise touche. Là. Ouais, tout à fait. Parce que là, il va y avoir une grosse pression des Taonnais qui n'ont plus rien à perdre dans ce match. On vient de passer la centième minute de jeu, 5 minutes à jouer dans cette première période. Il joue carrément à 2 pour 2 derrière, hein, Taon. Et je peux même vous dire qu'on est allé tellement loin que notre compteur s'est arrêté. Il nous reste 3 minutes 19. Notre ami Théo, à l'habillage, va nous faire du grand boulot. En tout cas, il est à l'œuvre pour qu'on retrouve un très bon scoring. Ne vous inquiétez pas. L'arbitre s'est trompé de côté, là. Ouais. Ouh, ça va être un coup franc dangereux. Oui, attention.
avec le numéro 11, Clément Parizeau, à la baguette. Non, il va laisser l'œuvre à Cabanda. Cabanda, ce jeune joueur, hein, dis donc, il arrive à tenir quand même sur la distance. 2 minutes 50, très précisément, à jouer dans cette première période des prolongations. On le rappelle, Metz. L'infériorité numérique n'existe pas sur les coups de pied arrêtés. Alors, pas du tout. Et regardez, au deuxième poteau, on est bien sorti, on a relâché le ballon. Et ça a été sifflé à nouveau par Emmanuel Grossmann. Oui, Monsieur Grossmann a privilégié la protection du gardien. Donc, comme sur l'action précédente d'ailleurs. Pas trop net sur ses sorties aériennes, Bécus, mais à chaque fois il obtient le coup franc. Hein. Il s'en sort bien. Voilà. Il s'en sort bien. Allez, le dégagement justement pour Nicolas Bécus. Loin, loin, le plus loin possible, il doit se dire dans sa tête. Ah, il se gêne. Hein. Éloigner au mieux le danger, ça c'est dommage. Il aurait fallu communiquer entre Odem et Biki. Non, entre Soilou, excusez-moi, et Mogé. Ah. Voilà, attention. Soilou, il a donné son ballon justement à Kelfaoui. Kelfaoui. Eh bien, Kelfaoui, je vais vous dire, il a encore d'énergie. Regardez, festival, on est passé de gauche à droite. Kelfaoui, il va essayer de centrer, mais là, ce coup-ci, on va mettre quand même un petit peu de harne du côté de Jean-Christophe Durin qui vient d'entrer. Quelle fin de saison. Quelle fin de saison, Messine. On les pensait enterrés avant le 1er mai. En fait, et depuis le 1er mai, ils sont invaincus. Ça a été la minute fatidique, là. Hein. Expulsion de Fauchard et but dans la foulée. Exactement. C'est le tournant du match, pour le moment en tout cas. Mais j'ai l'impression que Taon a quand même des ressources et à 10 joue un petit peu mieux que tout à l'heure. Mais c'est plutôt individuellement aussi. Hein. Ouais. C'est plus collectif comme avant. Regardez ce qu'il a essayé de faire. C'est dommage. Cabanda, il était seul face à deux joueurs. C'était compliqué. Oula, attention, attention parce qu'il y a un garçon dans le dos qui n'en rêve que d'une chose. C'est prendre ce ballon, aller le mettre au fond des filets. Mais Damien Mogé, qui n'a pu s'en saisir grâce à la belle couverture de balle de Romain Frénaud. Romain Frénaud qui va remettre de la tête justement. Oh là là, attention, des pertes de ballon comme ça à 40 mètres. Début du temps, c'est bien joué ça. Avec ce centre à venir. Ouf, pop, 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 pop. Florent Mogé, il était pas loin de tripler la mise. Ah, donc Kelfaoui est passé arrière gauche et Florent Mogé est passé attaquant. Exactement, voilà. Sur le côté droit, il doit être cuit, c'est pour ça. Au forceps. Et ils ont encore un changement dans l'APM, non? Ils ont tous utilisé. Ah bon? Ils ont tous utilisé. Une rentrée de Pignet, Soilou et Meada. Là, il passera pas avec Massa. C'est possible. Quel match. Regardez cette relance. Elle est magnifique en plus. En se retournant. Oh là 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 là. Il faut mettre la semelle. Jean-Christophe Durin. Elle est Messa. Regardez. Balle. Voilà. Eh oui. Tamponné. Ça va être encore un carton. Et non. Frénaud, il n'en a pas pris encore. Et je suis pas sûr d'ailleurs que. Non, mais l'arbitre ne rajoute pas là. Ça sert à rien. C'est arbitré intelligemment. On est dans les arrêts de jeu depuis quelques temps hein, de cette première période des prolongations. D'ailleurs, si ça se gâte, il a l'opportunité de siffler la fin de la première période. Et je pense qu'il va laisser ce coup franc. À mon avis, après, on va aller prendre une petite pause. On rappelle, hein, juste changement de côté. Hein, oui. Ils n'ont même pas le droit de boire, normalement. Non. Mais à mon avis, aujourd'hui, on fera peut-être entorse à la règle parce qu'il y a eu du gros soleil. Allez. Soilou. Ça a été contré, la deuxième frappe, et voilà, on avait sifflé juste avant de la part de Monsieur Grossmann. On va juste changer de côté, bien sûr, et on va vivre cette deuxième période, peut-être les 15 dernières minutes de ce match. Allez, au jeu des pronostics. Ah oui, là, ça va être dur quand ça même d'égaliser. Dur. Je vous demande toujours de faire la madame Irma, mon cher Gabi. Bah, j'ai déjà perdu mon pronostic, parce que je voyais les tirs au but. Hein. Est-ce que Taon peut le faire? Est-ce que Taon pour le faire? Je pense quand même qu'ils ont quelques individualités qui peuvent leur permettre de faire la différence. On a parlé de Rachid Ouabi tout à l'heure, on a parlé de Mohamed Odem. Et puis il y a toujours ce numéro 10, même s'il manque un peu de carbu là, Bonfils Cabanda. Techniquement quand même, ce garçon a des possibilités. Mais c'est vrai que Taon est à 10 contre 11 depuis le début. Depuis la moitié hein, de la première période des prolongations, l'homme du match, vous l'avez entreaperçu sans doute, Massin. Et là, ça va être la grande discussion du côté des Taonais. Et là, ça donne de la voix du côté de Julien Kipfer. Ah, mais normalement, là, l'arbitre accorde une demi-pause, quoi. C'est pratiquement ça. Taon, ancien fleuron, bien sûr, de l'industrie du textile, notamment, cher à la Vosges. Et savez-vous, la femme taonaise la plus connue
dans l'histoire de Taon. Non. Clémentine Delay, c'était la, celle qu'on appelle plus communément la femme à barbe. Je sais pas si vous avez déjà vu les, les photos de la femme à barbe. Voilà, bon, fort heureusement pour Taon, bien sûr. Il n'y a qu'une seule femme à barbe. Mais c'est également, on pourrait parler de Verlaine, de Morgan Parra, pour ceux qui y sont nés. Et puis ceux qui y sont vécus, Robert Schumann, le général Lafayette, et puis François Rabelais également. Metz, préfecture du Moselle, 120 000 habitants, berceau de la dynastie carolingienne. Un des trois évêchés. Exactement. Metz tout le Verdun. Et notre ami speaker. Notre ami speaker qui essaye d'arranger la foule. Et c'est vrai que côté Messin, en tout cas, on se prenait dans les bras dans les tribunes tout à l'heure. C'est vrai que ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon pour les Messins, mais rien n'est jamais terminé dans le football. Il reste 15 minutes à vivre. Et voilà, vous laissez, on va vous laisser vivre cette ambiance. La PM, les supporters. Allez, ce coup-ci, je prends le chrono. 15 minutes. 15 minutes, un petit but, peut-être deux. Accrocher, pourquoi pas, les tirs au but. C'est possible, c'est possible. Tout est possible dans le foot. Ah, c'est l'homme proté, Kalfaoui. Quand on a besoin de marquer, on le met devant. Quand on a besoin de défendre l'avantage, on le met derrière. Ah, c'est des gars qui valent de l'or, ça. Bien sûr. Et regardez, il a le sourire. Hein. Il saluait le public. Il n'est pas tellement atteint par l'émotion. Oh, non. Lui, il aimerait bien que ça continue. Peut-être pas trop longtemps, du moment que la PM l'emporte à la fin, sans doute. Les supporters de la PM qui donnent de la voix. Un peu de résignation, peut-être, du côté de notre ami... Jean-Christophe Durin, il est rentré ça, dans une situation un peu complexe, Durin. Et chacun, la famille a fait le déplacement également. Hein. Alors, on en est quand même à trois quarts du terrain, à l'ombre. Voilà. Ah, ça, c'est des pronostics quand même que j'ai pas mal fait. Faites bien de le dire. Mais c'est vrai que j'avais donc l'année prochaine, je retourne au service météo. Allez, c'est parti pour les 15 dernières minutes de ce match. Allez, c'est parti sur mon chrono aussi. Ça y est, Metz qui va mettre les bouchées doubles peut-être pour briquer définitivement. Ou alors, le retour miraculeux de Taon. Mais c'est possible. Ah, tant que c'est 2-1. Les bleus de Taon. Allez, Kabanda. Kabanda, la bonne ouverture. C'est bien joué ça. À destination d'Ouabi. Ça a été dégagé par la défense messine. Ça va revenir. Pour les Messins. Ah, non, dommage. Ça. Attention, hein, pas trop vite. Perdre le ballon. Le ballon, hein, Faouzi Mehada. S'est excusé notamment auprès de Florent Moget. Qui vous l'avait souligné. Pour l'instant, elle est Mosellane, alors, la Coupe de Lorraine. Écoutez, pour le moment, elle est Mosellane. Bon, on en a perdu une l'année dernière. Hein. Je me disais, c'est bizarre. Vous ne l'aviez pas rappelé. Sagnier. On fait un doublé cet après-midi, si tout va bien. Ouais, si tout va bien, c'était un doublé pour la Moselle. On a vu tout à l'heure la victoire d'Algrange. Au Bayon Festival également, de la part de Pignet. Il a de la technique, vous l'aviez dit. Il n'a pas que du physique. Et Pignet va récupérer, attention. Ça va ressortir derrière, peut-être le break. Oh, et voilà, c'est fait. Le doublé pour Damien Moget, qui, à mon avis, pour le moment, scelle le sort de Taon. 3 buts à 1, le signe du capitaine, Damien Moget. Il n'a pas eu de réussite, quand même, le gardien de Novilliers. Ah, c'est dur. Parce qu'il la repousse deux fois. C'est dur, et quel travail pour le coup de Julien Pignet. Ah, il est monté une fois, mais ça a été la bonne. Hein. Ah là, ouais, ça c'est sûr, il a fait la différence. Et bon, il a eu de la chance, il a le contre-favorable, elle lui revient dans les pieds. Puis après, le tir de Damien Moget passe à travers une forêt de jambes. Oh ben, c'est la réussite du vainqueur. Hein. Stéphane Ruggieri l'a compris sur le bord de terrain, vous le voyez, le buteur, il est là. Damien Moget qui s'est signé devant le public tout à l'heure. Quand je disais le capitaine, c'est pas lui le capitaine, mais il a fait le geste du capitaine. Et là, ça doit être dur. Les 10 minutes là vont être dures pour Taon. Ah, la cabane est tombée sur le chien. Ouais. Là, pour le coup, Stéphane Ruggieri qui a harangué la foule. Eh bien, Metz monte en Ligue 1. Ça, c'est pour le football club.
Et bien pour l'APM, on va remporter une première Coupe de Lorraine. On se tape dans les mains, dans les tribunes. Beaucoup de joie pour les Messins. Et on a peut-être porté bonheur à l'APM en prenant le président en interview à la mi-temps. Je sais pas. Je sais pas. On va rester neutre jusqu'au bout. Bah oui, nous on est neutre de toute façon. Hein, Gabi ? Oui. On aime bien quand les Moselles en gagnent, mais... On veut surtout du jeu. On est là pour le spectacle. Allez, il y a, voilà, tirage de maillot, sanctionné, porte, allez, pour heureusement. Allez, on va prendre un carton, bien sûr, pour anti-jeu du côté de la PM. Et c'était Jantet, hein, qui avait fait l'effort d'aller essayer de perforer ce dernier carton. C'est pas les Français qui menaient à Séville 3-1 si, si, en semble, prolongation. Il me semble. On sait tous malheureusement comment ça s'est terminé. Alors méfiez-vous de la PM. Oui, oui, oui. On n'a jamais gagné. Enfin, les Allemands n'étaient pas à 10. Non, non, ça c'est vrai. Allez. Quoique Roménigueux était un peu blessé quand même. Et les buteurs Français, je voulais dire. Trésor. Ah, Platini, Trésor, une reprise de volée. Exactement. Hein. Et ah, j'ai un doute. Le dernier, je sais plus. Trésor. Penalty. Ouais, 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 ouais. Non, contre. Non. Contre. On m'avait emmené en 1982, moi qui suis né en 1988. Retour vers le futur. Alors qu'il y a un joueur de Metz qui est resté au sol. C'est pas Didier Giresse. C'est Giresse, il me semble. Giresse. Tout à fait. But d'anthologie, là. Marius Trésor, reprise de volée dans les... Au point de pénalty, il me semble. Au point de pénalty, ouais. Et puis, bien sûr... Et dans le premier match, avant les prolongations, j'ai un doute, là. Là, j'avoue que vous m'avez collé. Stopira, non ? Non, c'est Stopira, c'était au Mexique, 86. On va retrouver tout ça, ne vous inquiétez pas. La magie. D'accord. Allez, un petit peu d'électricité, un petit peu d'électricité, mais on est sans doute un petit peu vexé aussi. On est sans doute un petit peu vexé du côté de Taon. On va aller calmer les esprits, ça sert à rien. Et sans doute, alors attention hein, parce que non, Romain Fresneau tout à l'heure il a failli prendre un carton. Voilà, on va le rappeler à l'ordre très gentiment. C'est fait en tout cas avec beaucoup de délicatesse et avec fermeté tout de même. Je vois bien Six en méta. Début contre l'Allemagne. Ouais. C'est qu'il a loupé un péno ouais. Avec Maxime ouais, Bossis. Wow. Ouh l'agression là. Oh ya 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 ya. Ouais. Attention que cette fête se termine quand même dans les. J'ai vu plutôt un tacle appuyé de Jantet là. Hein. Alors moi j'avais raison sur Platini Trésor. Il y avait bien Giresse dans les prolongations. Et côté allemand, on avait. Ah bah il y a Roménigueux, Roubaix, Lidbarski et Fischer. C'est Fischer, c'est pas... Ouais. Ah non, Roubaix, c'est le dernier péno. Exactement, c'est ça. Un match tragique. Que je n'avais pas vécu, mais mon papa m'en a suffisamment parlé. Et j'ai même l'impression que c'était pire que l'Italie 2006. Bon, l'Italie 2006, c'est des événements parasportifs. Voilà, on citera pas de nom. On n'est pas dans la délation. Allez, on va revenir au jeu. On joue bien sûr les 8 dernières minutes. Dans ce match, 3 buts 1, Taon a craqué hein, depuis l'expulsion de Mathias Fauchard, le défenseur central. Et là, il y a des espaces de partout. Ouais. Avec un 3 contre 3, s'ils arrivent à récupérer ce ballon, la PM. Il est énervé, allez, il est énervé. Hein, on a mauvaise Fresneau. Ouais. Ah, c'est dur, c'est ouais. Dur. Imaginez, vous attendez 20 ans pour jouer une finale de Coupe de Lorraine. Ouais, mais c'est pas la peine de prendre un rouge quand même. Non, non, c'est sûr, bah, ça viendra gâcher la fête. Surtout que lui, il a du métier, il a joué à un bon niveau. Il a déjà connu quand même des défaites. Bon, finale de Coupe de Lorraine, c'est sa première défaite, certainement. Surtout que du côté de Taon, Julien Kipfer avait demandé d'honorer ce maillot, justement. Hein, et de bien représenter le club. Ils l'ont fait jusqu'à présent. Tombé de fatigue. Ouais. C'est laissé tomber. Comme un château de cartes. Et voilà, tiens, ça c'est une belle image. Avec l'ami Parizeau qui vient relever son vis-à-vis.
Et le coup franc pour Metz, l'APM, Fawzi Mehada à la baguette et son pied droit. On va pas se priver hein, d'aller chercher un quatrième hein, du côté de l'APM. J'imagine qu'on a de l'appétit. Le ballon qui est dans la boîte dans la ligne des 6 mètres. Oh là, ça va revenir, attention, dégagement catastrophe. Et notamment Florent Mauger hein, qui traînait, la famille Mauger qui va faire une jolie fête à mon avis ce soir. Les deux frères se seront donnés en tout cas sur ce match. Il a mis ses deux buts dans une finale, hein. C'est quand même. Ce sera un bon souvenir et puis l'APM se souviendra aussi. C'est sûr. Alors je sais pas pour qui c'est, vous entendez sans doute les supporters de l'APM qui chantent cette fameuse chanson et mériterait dans le journal de Claire Chazal. C'est peut-être justement pour Damien Mauger avec son doublé. Quelle une belle ambiance hein, qui a été mise dans les deux camps, hein, du côté Taonnais et du côté Messin. En tout cas, avec ce match de foot amateur, vous saurez maintenant qu'il n'y a pas que le FC Metz. Même si, bien sûr, tout le monde est supporter du FCM du côté de la Moselle. De la Moselle, tout entière. Allez, Messin, c'est lui. Je dirais même que du côté du Luxembourg, du pays. Oui. Ouais, beaucoup de Français du côté du Luxembourg. Allez, Auger, ouais, pour mal, son frère. La passe fraternelle. Et la reprise à côté, elle était dure. C'est plaisir là. Ouais, bah oui, c'est une affaire de famille. Il ne manquerait plus que Taon revienne à 3-2. Oh oui. Ça nous fera un beau scénario. 5 minutes à jouer. 5 minutes à jouer et 30 secondes, très précisément, dans cette finale de Coupe de Lorraine. Eh bien écoutez, on aurait été gâtés en tout cas, hein, pour cette belle après-midi. Soleil, football, plaisir, fair play, sourire. C'est la Lorraine. Et en plus tout ceci au stade Marcel Picot. Alors est-ce que Olivier Rouillet va remettre la coupe tout à l'heure? Je sais pas. Est-ce qu'il est resté dans les travées? On va essayer de se renseigner. On essaiera peut-être même d'aller chercher en interview Olivier Rouillet. Alors, je pense que c'est éclipsé. Mais bon, il peut être présent. Mohamed Odem sur le côté droit, les Taons. Qui va peut-être sortir avec les honneurs. Et là je peux vous dire. Que Clément Parisot, il se jette sur tous les ballons. Hein. Ouais. Pas tout, plus tout jeune Clément Parisot, mais il a encore de l'énergie. Et on est même venu avec le haut-parleur. Oh là, attention, on s'est trouvé du côté de Kelfaoui. On va dégager comme on peut. J'ai l'impression que les deux équipes vont terminer. Hein. Même si Taon aimerait bien peut-être aller chercher un petit but. Hein, pour parachever le score, ce serait pas immérité. Parce que c'est vrai que cette. Ça leur donnerait d'autant plus de regrets aussi. Ouais, et puis ça pourrait pimenter les dernières minutes. Allez. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors attendez 5 minutes avant d'aller ouvrir la dernière bière. Oui, 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 oui. Parce qu'il y a peut-être des tirs au but derrière. Hein, c'est jamais fini dans le football. Et vous entendez en tout cas les supporters de Taon, eux ils y croient. Ah non, il y a eu deux ballons sur le terrain, c'est dommage. Coup de sifflet de M. Grossman. Et on repart par une balle à terre, je pense. Aïe, 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 on se regarde du côté Messin. Eh, ce petit but pourrait venir. Non, non, c'est balle à terre, balle à terre. Eh oui, tout à fait. Tout à fait, bien vu Gabi. Donc l'APM va dire, donnez-moi là, je leur rends. Voilà. Et voilà. Oh, maintenant les scénarios sont écrits. Et on en est à 5 jaunes et un rouge, on n'est pas loin de la moyenne. Ah. Je vous avais dit 6 jaunes et un rouge. Je suis assez naturel, il revient au galop. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez, 3 minutes. 3 minutes à vivre, à se délecter de cette fin de saison 2013-2014. Dans quelques jours, vous le savez, eh bien, on retrouvera la Coupe du Monde. Ça, c'est pour notre grand bonheur à tous. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Mais ça va bien se passer. Ça ne peut que bien se passer. Parce qu'en Afrique du Sud, on avait presque envie d'envoyer le téléviseur contre un mur. Mais ils ont détruit le bus, mon cher Gabi, donc tout va bien. Ils ont détruit le bus là il y a quelques semaines. Le chat noir. Non, mais il y a eu la grève, mais le dernier match. Ah oui, oui, ça, oui. Gourcuff qui s'est expulsé. La totale, hein. On aura tout. Ils ne peuvent que mieux faire.
Et bien notre été de football n'est pas terminé. On a déjà vécu une superbe saison, notamment quand on est Mosellan avec la montée, on l'a dit, du FC Metz en Ligue 1. Un petit mot là sur cette Coupe du Monde, j'ai l'impression quand même que la plupart des joueurs arrivent sur les rotules. Ouais, on le voit avec le nombre de blessés, hein, notamment dans toute... Et des rechutes de blessures. Et ouais, complètement. Ça, c'est pas bon signe. Hein. Allez, le coup franc, oula, non, ça va partir beaucoup trop loin. Ça va partir beaucoup trop loin pour ce jeune joueur. Kabanda, il faisait son retour à la AS Nancy-Lorraine, en tout cas sur ce stade, sur cette pelouse de Marcel Picot. Ça doit être compliqué pour lui. C'est vrai qu'il a eu un peu de mal à faire la différence malgré sa qualité athlétique et technique. Et le dernier forfait, on peut le dire Gabi, hein, si jamais le dernier forfait, si jamais vous ne le savez pas, c'est Reus, le joueur du Borussia Dortmund. Ah d'accord, ah, c'est un bon joueur ça. Reus qui sera forfait du côté de l'Allemagne. Allez, la dernière occasion pour la PM. Ah, ça serait dur d'en mettre un quatrième. Vous entendez ? On demande... Je me demande qui ? Ouais, c'est Chantal, c'est bien ça. Ah, Chantal. C'est Chantal. Chantal ou Chantal ? Ça serait la première femme présidente, alors. Peut-être. Ah là, il y a de l'ambiance. Ouais, là. Ouais, c'est sympa, on vous laisse vivre ça, justement. On n'a pas trop réussi à décrypter. J'espère que chez vous, vous avez entendu, en tout cas, ce... Ah, je vois un Maurice Grandhomme aux anges. Ouais. Il le mérite bien, lui. Hein, bien sûr. Parce qu'il est là dans les moments positifs, mais quand c'était dur, il a toujours été là. Allez, ça y est, 30 secondes. Tout le monde est debout. Le banc est debout, en tout cas, du côté de la PM. La tribune Messine est également debout. Et regardez, il y en a un qui, lui aussi, est resté debout. Il est en cours du jeu. Quel pas, oui, il est resté debout tout au long du match. Il y aura une petite minute en plus. Voilà, la dernière, on y rentre dans 6 secondes, très précisément. C'est une santé quand même, hein, Kalfaoui. Et la PM qui va remporter. Ils sont pas champions. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout confondre. Et c'est l'élan, dans un élan d'euphorie. Ah, j'espérais que ça passe, qu'on rajoute un peu de suspense, qu'on pimente un petit peu ces dernières minutes. Allez. Il a mis la tondeuse en route. Ça va le faire pour la PM. Et là, il y a les deux frères. Hein. Les deux frères Mogé, ils ont envie de se faire des cadeaux. C'est pas la période de Noël, mais les deux frères Mogé, ils ont envie de se servir. Là, Damien, bien joué de la part de Fredo. Là. Complètement. Il y a encore la tête sur les épaules. Et là, tout le monde est arrêté. Que ce soit du côté de Taon ou du côté de la PM, là, on a envie que ça s'en termine. Regardez, il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. 20 secondes. Dans 20 secondes, la PM remportera cette Coupe de Lorraine 2014. Et pourra dire merci à un homme. Massin. Massin. Voilà. L'homme du match, il aura été partout. S'il y a des recruteurs qui l'ont regardé aujourd'hui, eh bien, il se sera mis en exergue. Ouh, et voilà, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Et c'est fini. Monsieur Grossman, ah non, il a vu que ça continue, regardez. Ah non, du côté Messin, on harangue la foule. Alors, que dit monsieur Grossman? Non, on va continuer. Il va y avoir la remise en jeu, il va siffler derrière, je pense. Le voilà Massin, c'est le dernier à toucher ce ballon. Et c'est lui l'homme du match, et il permet à l'EPM de remporter, en tout cas, eh bien, cette finale de Coupe de Lorraine 2014. Finale de Coupe de Lorraine 2014. Elle est pour Metz, elle part à Metz. Et bien pour la première participation en finale, il remporte ce titre que Taon eh bien, attendait depuis 20 ans et va devoir attendre encore pour quelques années en tout cas. Eh oui. Enfin, en tout cas, chapeau à cette équipe B de Taon qui nous a offert un match très équilibré. Un, c'était une réserve. Deux, c'était une équipe qui jouait en DHR. Et malgré tout, à un certain moment, on pensait que le sort allait... Allez les satisfaire. Ah, on s'est demandé. Jouerait-il que Eric Brand m'avait dit ça va jouer sur un petit détail. L'expulsion, le coup de pied arrêté qui a suivi, la formidable détente de Massin qui récompense un match. Allez, 9 sur 10, on va lui donner. Et, 9,5 même. Et on va dire qu'après, c'était mérité. Sur la fin, il n'y avait plus rien à dire. 10 contre 11, l'affaire était pliée.
beaucoup de choses. En tout cas, nous avons eu droit à un beau match. Ouais, c'était superbe tout au long de cet après-midi d'ailleurs. Hein. Je vais faire écho d'ailleurs au match des féminines avec la victoire bien sûr d'Algrange. J'ai regardé les joueurs messins qui vont venir saluer leur public qui est venu en nombre. Ça, c'est des moments dont il faut se délecter, même dans une carrière de foot amateur, encore plus dans une carrière d'amateur. Ça n'arrive pas tous les jours. On a eu votre exemple, mon cher Gabi. Vous aviez perdu une finale en tant que joueur. Vous l'avez remporté en tant qu'entraîneur quelques décennies plus tard. Ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est il faut savourer. En tout cas, c'est un grand moment de bonheur hein, quand vous la gagnez. Hein. En plus, c'était mon dernier match. Et c'est sans doute, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être le dernier match également pour Stéphane Routhieri. Oh non, il a pas. Enfin, en tout cas, en tant que coach principal. Il va rebondir en interne ou en externe. Bien sûr. Mais en tout cas, à la tête de cette équipe de l'APM, il peut finir sur une bonne note. Monsieur Ruggieri, Stéphane Ruggieri, fan de Paolo Maldini. Et bien écoutez, avec Massin, il a été bien servi également. Et on va bien sûr suivre le protocole. Regardez, Sacha Hut, c'est très sympa sur les images. On voit vraiment de la joie. Hein. Ils se sont donnés, il y a vraiment eu des joueurs qui ont tout donné. Je vois le numéro 2, notamment, on en a beaucoup parlé, Issam Kelfaoui. Il aura été si dimanche dernier, ils avaient perdu contre Amnéville, ils perdaient la finale. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Comme quoi ça tient à rien. Comme quoi ça tient à rien le foot. Et alors là, on va repartir sur le protocole. On réexplique le protocole. Il y a trois coupes. Il y a une coupe pour le finaliste, une coupe pour le vainqueur de la Coupe de Lorraine. Mais il y a la Coupe de Lorraine qu'on ne peut garder qu'une seule année, mon cher Gabi. C'est bien voilà, ça. Voilà, voilà. Donc c'est la tête de je ne sais plus qui. Enfin, en tout cas, celle-là, elle m'a fait rêver. Hein. Ouais. Quand je voyais les joueurs faire au terrain de la piscine à Hayange, ils faisaient le tour d'honneur avec cette coupe dans les mains. Ensuite, c'était au Guy de Vindel. Donc tout ça dans le berceau de la sidérurgie, là-haut, chez les deux Vindel. Je peux vous dire qu'elle m'a fait rêver. Bien sûr, mais c'est forcément une émotion. Est-ce qu'on la rend toujours en bon état? Parce qu'il y a eu une petite histoire sur le bouclier de Brennus, vous savez, en rugby, il y a quelques jours, là, remporté notamment par le Racing Club de Toulon. Il et paraît-il que ouais, chaque année, il faut quand même l'envoyer à la casse, enfin pas à la casse, mais surtout à la rénovation. Ah, c'est du bois, ça supporte pas l'eau. Hein. Et, ouais, et puis surtout qu'ils nous font faire des choses non, mais là, incroyables. C'est un mélange fontacier, je crois, qui est assez solide. Qui doit supporter les 3e et les 4e. Ouais. On peut même boire du champagne dedans. Ça passe. Ça passe. C'est délicat. Hein, faut avoir des muscles, faut avoir garder des forces. On va honorer quand même ce trio arbitral composé de Emmanuel Grossman qui nous vient de Lunéville, de Christophe Grandfils qui nous vient de Longwy, de Cyril Burger même, de Metzervis. Et également du 4e arbitre remplaçant Christophe Martin de Nancy. Le délégué arbitral Christian Louis par le Duc également. Garçon très sympathique. Garçon que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de souvent croiser sur le National. Et c'était très agréable de le retrouver. Il officie souvent du côté de Colmar. Là aussi il y a souvent de chaudes ambiances au Colmar Stadium. Une nouvelle fois la haie d'honneur. Ça c'est une belle image à garder également cette journée. On l'a vu avec les filles. On le revoit avec les garçons. Et les messins qui félicitent les Taonnais. Qui vont venir récupérer la coupe du finaliste. Ça, c'est important de finir sur une bonne note, de montrer qu'est-ce que c'est l'esprit lorrain, l'esprit de cette région, l'esprit du football, l'esprit du sport ici. On a vu énormément de fair play, beaucoup, que de belles images, que de beaux sentiments, mon cher Gabi. Non, mais le spectacle a été très intéressant. Je dirais qu'il a été d'un suspense quand même très soutenu. Il a fallu quand même, je crois que c'était la deuxième prolongation pour que Taon craque. Oui. Tout ça, ça donne quand même du piment à un match et ça restera quand même dans les souvenirs. Et on se rappelle l'an dernier que Vémange avait craqué. Bon là, à la séance de tir au but, ce qui n'est pas pareil, c'est vrai. Mais mine de rien, le gros dans l'ascendant psychologique, en tout cas dans une finale de Coupe de Lorraine, si je prends l'an dernier cette année, on est un petit peu sur le même schéma, c'est-à-dire avec un petit pousset, un soi-disant petit pousset qui a fait le jeu, qui n'a pas hésité à faire le jeu, et puis finalement, eh bien, un fait de jeu qui change tout. Là, en l'occurrence, c'était l'expulsion de Mathias Fauchard. Je vais dire homme du match malgré lui. Mathias Fauchard. Et bien sûr, eh bien, ça va être
pour Metz. Metz qui va aller chercher cette coupe. Les deux coupes, du coup. Celles qui vont garder à vie. La haie d'honneur maintenant des Taonais. Ah bah c'est très sympa. C'est très sympa. Voilà. Voilà ce qu'on aime dans le foot. Voilà ce qu'on aime dans le sport. Voilà la vitrine de ce que doit être, en tout cas, le sport français, le football français. Souvent critiqué, souvent méprisé d'ailleurs. Voilà la réponse. Vous l'avez à l'image. C'est très beau. Bravo, messieurs. Bravo, bravo. C'est le vice-président du Grand Nancy qui remet la coupe au perdant. La coupe du perdant. Est-ce qu'on la garde, cette coupe du perdant? Qu'est-ce que vous en avez fait, vous, mon cher Gabi? Ah, à l'époque, alors c'est le dernier de mes soucis. Ouais. Vous la perdez. On boit quand même un peu de champagne dedans ou non? C'est à l'eau, c'est imbuvable. C'est difficile, on imagine. Les voilà, les champions. Enfin, les champions, les vainqueurs de la coupe. L'adversaire qui l'a gagné, qui l'a gagné d'une façon très méritoire, c'est Relon, qu'on avait battu deux fois au championnat. 5-2 et 3-0. Alors là, ça devait être une formalité, ben, on a perdu. Et il y a eu une révélation dans ce match, pas que dans ce match, c'était Raspolini qui est ensuite parti au FC Metz et qui a fait une carrière professionnelle. Et ben voilà. Il nous avait fait des misères, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. La coupe, vous voyez, alors celle qui est en bronze, si je ne me trompe pas, c'est celle qui vont garder la plus, on va dire, la plus foncée des deux. C'est celle qu'ils vont garder pendant un an. Voilà. Que, c'est le challenge de Radel. Voilà, c'est ça. Celle que Lunéville a gardée, en tout cas, toute l'année dernière. Et ben, elle va partir du côté de Metz, du côté de la PM. Et sa récompense, on vous le disait tout au long de cette retransmission, sa récompense, l'un des plus gros clubs lorrain. 524 licenciés. Imaginez un petit peu. Pour ce club qui a été monté par le personnel municipal de la ville de Metz, et ben c'est une belle réussite. C'était en 1949. De l'eau a coulé sous les ponts. Et regardez en 2014 en direct sur votre écran. Et bien la PM va soulever la coupe dans quelques instants. Attention. Allez, il y a une belle photo à prendre là. Faut immortaliser tout ça. Emmanuel lance les confettis. Eh oui. Monsieur Confetti, on appelle à la ligue. Et voilà, regardez ces beaux visages, ces beaux sourires et cet homme du match avec ses grands cheveux. Allez, c'est parti, la PMS remporte cette Coupe de Lorraine 2014, la première de leur histoire. Ils n'avaient jamais disputé une finale, ils n'avaient jamais disputé une demi-finale. C'est celui-là le moment inoubliable. Et voilà, et ça, oui, c'est celui-là, la vraie coupe. C'est la vraie, celle qu'on garde qu'un an. Là voilà, ouh, elle a l'air lourde, ouh, elle a l'air lourde. Elle est très lourde, hein. Les joueurs de Thionville m'avaient honoré puisqu'ils m'avaient laissé aller à la... À la, comment dire, à la distribution du trophée par Bernard Desumer. Ouais, bah c'est un, j'imagine, un souvenir impérissable. Ah oui, oui, oui. Qu'on emporte jusqu'à la fin de sa vie. Et voilà, que d'images de joie, en tout cas, sur cette pelouse. Mon cher Gabi, on a pris l'antenne aujourd'hui à 14h30. Oui. Il est très exactement, je vais quand même regarder ma montre. Tout le monde pourrait dire quand même que Gabi supporte les marathons. Ah oui, oui, oui. Vous êtes un marathonien de l'antenne. Voilà, marathonien de l'antenne. On a pris l'antenne à 14h30. Il est 20h22, très précisément. Ce coup-ci, c'est fini, en tout cas pour cette année, pour la Coupe de Lorraine. Mon cher Gabi, je vais vous remercier. Ça a été encore un plaisir de vous avoir avec nous. L'an prochain, on vous retrouve dans quel rôle alors? Ah ben, ça sera pas quand même un rôle d'entraîneur, hein. C'est terminé pour moi. Le rôle de consultant, monsieur, à merveille. Et vous faites très bien en tout cas. Voilà. J'espère en tout cas, vous retrouver. C'était un plaisir d'être là cet après-midi. J'espère que les téléspectateurs auront partagé ce moment. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine pour la Coupe de Lorraine. Pour le football amateur, on va remercier quand même la Fédération Française de Football qui lance sa chaîne du foot amateur. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu en direct gratuitement sur Internet. Donc renseignez-vous, parlez-en entre vous, découvrez un petit peu cet autre football. Faites-en parler. La saison pour nous est terminée. Merci aux équipes de Vision Foot qui ont permis justement tout ceci et qui travaillent d'arrache-pied toute la saison. C'est une belle récompense pour eux. Merci à vous les gars. Et puis nous, on se retrouve très vite. Si vous aimez l'aviron, il y a de l'aviron demain, toujours sur Visiosport Live et sur Dailymotion. En attendant, vive la Lorraine, vive le foot et à l'année prochaine. Salut. Vive la Moselle. Aussi.